Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Il est l'heure que nous commencions nos travaux. Donc, ce matin, nous examinons le rapport définitif de la mission d'information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, donc les retombées sur le tissu économique et associatif local, dont les co-rapporteurs sont M. Stéphane Mazard et M. Stéphane Peu. Et j'évoque le caractère définitif de ce rapport, car, compte tenu du calendrier spécifique attaché à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, notamment en ce qui concerne la programmation et la passation des marchés, nos co-rapporteurs avaient tenu à nous présenter un premier état d'avancement de leurs travaux le 15 février dernier à l'occasion d'un point d'étape. Et je les félicite pour la qualité et la densité du travail effectué dont nous avons pu prendre la mesure puisque le projet de rapport vous a été adressé préalablement à notre réunion. Et nous pourrons décerner probablement à nos co-rapporteurs la médaille d'or des auditions par équipe pour la saison 2022-2023 puisque nos deux marathoniens parlementaires auront organisé 55 auditions et tables rondes, au cours desquelles quelques 156 personnes auront été entendues. Et cela, sans compter les personnes rencontrées au cours de vos deux déplacements. Et peut-être que nous devrons d'ailleurs vous soumettre à un test antidopage à l'issue de notre réunion. Mais bon, ça, on verra. Donc, moi, monsieur les deux co-rapporteurs, je ne vous poserai qu'une seule question, car le sujet est vaste et je ne doute pas que les échanges avec nos collègues seront nourris. Et nous avons évoqué le problème de la sédentarité croissante des Français et surtout des plus jeunes, notamment l'automne dernier, lors de la présentation des travaux thématiques de Madame Claudia Roux dans le cadre de son avis budgétaire sur les crédits de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative. Et donc, pouvez-vous nous indiquer s'il vous apparaît que l'occasion des JOP va être pleinement saisie pour apporter des remèdes durables à cette problématique préoccupante, et si tel n'est pas le cas, ce que vous préconisez pour renforcer ce qui devrait être une partie importante de l'héritage de cet événement. Et maintenant, je vous laisse la parole. Donc, je ne sais pas qui commence, comment vous êtes répartis. Oui, c'est un Stéphane. Très bien. Donc, Stéphane, c'est Stéphane qui commence. Donc, monsieur Peu, vous avez la parole. Donc, c'est Stéphane qui commence. On va essayer, d'abord, madame la présidente, chers collègues, on va essayer de faire un exercice, comme on avait fait d'ailleurs pour le pré-rapport, de présenter ce rapport à deux voix en alternant. Bon, tout d'abord, Stéphane Mazard et moi-même sommes très heureux de restituer les travaux de cette mission devant la commission des affaires culturelles à presque un an de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Depuis le 28 septembre dernier, nous avons rencontré 156 personnes, vous venez de l'indiquer, madame la présidente. On a conduit 56 auditions et nous sommes déplacés dans deux départements. Nous avons accompli, je crois, un travail assez dense, mais passionnant, et qui s'est déroulé, bon, ça va sans dire, mais dans une excellente entente, à la fois entre les deux rapporteurs, qu'on se connaît bien, parce qu'on est tous les deux des transfuges de la commission des lois du mandat précédent, donc on a une vieille habitude de travailler en commun, et puis je voudrais profiter de cette introduction pour remercier vraiment très sincèrement de la part de Stéphane Mazard et moi-même, Marion Talino et Thomas Delviecchio qui sont ici, qui sont les deux administrateurs qui nous ont accompagnés. Et vraiment, si l'entente était parfaite entre les rapporteurs, l'entente était aussi parfaite avec les administrateurs et leur travail a été extrêmement précieux. Quelques chiffres suffisent à prendre la mesure de l'ampleur du défi à relever pour la France. 15 000 athlètes, 329 épreuves olympiques, 549 épreuves paralympiques dans 72 collectivités, 20 000 journalistes accrédités, plus de 500 000 spectateurs quotidiens, 45 000 bénévoles. L'objet de notre mission consistait à évaluer les retombées économiques et sociales de l'événement sous tous ses aspects, les infrastructures, les équipements sportifs, l'aménagement urbain, le tourisme, l'impact économique de l'organisation des Jeux à travers les marchés publics, la structuration de filières professionnelles comme celle de la sécurité privée. Nous nous sommes également attachés à apprécier ce qu'il est convenu de nommer, non pas l'héritage matériel, mais l'héritage immatériel, même si c'est parfois plus difficile à définir. Mais enfin, en un mot, est-ce que la France, avec ces Jeux olympiques et au lendemain de ces Jeux olympiques, allait être une nation plus sportive qu'elle l'est aujourd'hui? En gros, c'est comme ça qu'on peut résumer l'héritage immatériel, sachant que notre pays, en Europe, n'est pas considéré comme une nation extrêmement sportive au sens du sport de masse, et pas seulement du sport
de compétition. La tenue des Jeux olympiques doit aussi permettre un meilleur accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap et, de façon plus générale, une société plus inclusive. Nous avons donc décidé d'organiser nos travaux en deux temps. La première partie était essentiellement axée sur l'héritage matériel dans le contexte du lancement des derniers marchés publics de la Solideo, pour la plupart des marchés de seconde œuvre, et de l'essentiel des marchés du COJOP, notamment les marchés de sécurité privée qui dépassent les seuls enjeux économiques et financiers, puisque de leur réussite dépendra la sécurisation de l'événement et le recours aux forces de sécurité intérieure pour sécuriser les sites de compétition. La seconde partie de nos travaux a plus spécifiquement porté sur le développement du sport de haut niveau et surtout du sport amateur. Nous l'avions déjà signalé lors de notre point d'étape au mois de février, les Jeux ne peuvent plus se réduire à un simple tableau de médailles. Nous avons changé d'époque et le CIO en a lui-même pris conscience avec l'élaboration en 2018 d'une nouvelle norme visant à assurer une meilleure prise en compte des objectifs de développement durable et l'exigence d'un héritage pour le pays hôte. La ville de Paris, l'État et le COJOP, en faisant le choix d'utiliser prioritairement les infrastructures disponibles et en développant des programmes d'héritage dès la phase de candidature, se sont résolument inscrits dans ce nouveau modèle. Les Jeux doivent donc être utiles au pays et laisser un héritage durable. Il en va de leur acceptabilité. De même, réussir l'organisation des Jeux implique d'entraîner le pays dans un projet positif, de susciter l'enthousiasme du plus grand nombre, son engouement populaire. Sans engouement populaire, comment peut-on espérer un héritage positif et durable ? Or, nous constatons que cet engouement peine à s'installer, même si la perspective des Jeux peut sembler encore lointaine à certains, qui plus est dans le contexte actuel. Nombreux sont ceux qui ont exprimé du dépit et une grande frustration face au système de vente des billets assez illisible, il faut le dire, et leur prix. Nous avons partagé cette frustration, bien que nous soyons conscients du modèle économique des Jeux. Ceux-ci ne peuvent donc pas se réduire à des nuisances et des désagréments pour les Français, en premier lieu les Franciliens, difficultés du réseau de transport, promesses de mise en accessibilité non tenue, retard dans les chantiers du Grand Paris, contraintes de déplacement du fait des voies olympiques, défi de la sécurisation de l'événement et bien sûr l'enjeu du coût des Jeux pour la nation. Car l'argent de la nation est bien engagé dans le financement de l'Olympiade. D'où la nécessité pour le Parlement d'exercer à fond sa mission constitutionnelle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. 13 cofinanceurs publics concourent au budget de la Solideo à hauteur de 2,7 milliards d'euros. S'agissant du COJOP, l'État, la ville de Paris, la région et la métropole apportent une contribution de 5 millions d'euros. Mais le coût global pour l'État sera plus élevé, notamment en raison des dépenses de sécurité, que la Cour des comptes a appelé à recenser de façon précise dans un document de politique transversale, ce qui n'est toujours pas fait à ce stade. Outre ces dépenses, l'État et les collectivités territoriales devront supporter diverses dépenses fiscales et des dépenses de transport qui restent encore à chiffrer. Un mot assez rapide sur la question du tourisme, qui est un enjeu majeur dans l'accueil des Jeux olympiques. Mais nous en avions parlé ici devant la Commission en février dans notre pré-rapport avec quelques points d'alerte qui depuis ont été en partie corrigés puisque la ministre déléguée au tourisme a coordonné les acteurs et que le retard qu'on pouvait considérer en février a été pour une part rattrapé. Mais pour autant, on voudrait, à ce sujet, avoir deux points d'alerte. Le premier, c'est sur la question, deux points de vigilance, disons. Le premier, c'est sur la question de l'hébergement d'urgence qui risque d'être fragilisé, notamment dans la région Île-de-France. En effet, plusieurs hôtels ont passé des conventions avec l'État pendant la crise sanitaire et pourraient décider de revenir sur leur activité économique première en vue des Jeux, ce qui peut se comprendre, mais ça se traduit par une baisse importante de l'hébergement d'urgence, rien que pour 2022, sur la seule région Île-de-France, 7500
places d'hébergement d'urgence ont été perdues, et ce qui fragilise forcément tout un pan de politique publique, notamment celle qu'on appelle le logement d'abord et la mise à l'abri des personnes en grande précarité. Ensuite, dire que nous pensons que les Jeux sont le bon moment pour franchir une nouvelle étape dans la régulation des meublés touristiques. Vous le savez, Airbnb est un partenaire premium du Comité international olympique et pourrait héberger près de 500 000 touristes pendant les Jeux. Chacun de nous constate dans sa circonscription les effets des meublés de tourisme sur les prix des logements, et les maires réclament des mesures fortes pour mettre un terme à cette hémorragie immobilière récemment soulignée par une mission interministérielle. Deux propositions de loi ont été déposées. Nous devons maintenant nous en saisir. Pour notre part, nous proposons l'enregistrement de l'ensemble des meublés de tourisme sur le territoire, l'abaissement du plafond des jours de location autorisés pour les résidences principales qui sont aujourd'hui de 120 jours, ce qui ne correspond absolument pas à ce que devrait être le statut d'une résidence principale, donc il faut en baisser le nombre. Et puis, bien sûr, de débattre, notamment à l'occasion de la prochaine loi de finances, de l'assujettissement des meublés de tourisme à la TVA dans le cadre dans un traitement, égalitaire avec l'hôtellerie classique. C'est une demande des élus locaux, c'est une demande des maires, c'est aussi une demande très forte du secteur hôtelier dans notre pays, qui est quand même, dans un pays comme la France, un secteur économique de premier ordre et qui subit une concurrence qu'il considère déloyale de la part des meublés de tourisme. Mettons à profit les mois qui viennent pour réguler ce marché. Nous l'avions également rappelé au cours de notre point d'étape, le dossier de candidature de la ville de Paris comportait des engagements ambitieux sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. La signature d'une charte sociale entre Paris 2024 et les syndicats était un acte inédit, et nous espérons que les futurs grands événements sportifs internationaux vont pérenniser ce modèle. Après le succès de la candidature française, une charte sociale définitive a été signée entre 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales. Cette charte comprenait 16 engagements relatifs à la commande publique, à la bonne prise en compte des spécificités des PME et des TPE, à la prévention des discriminations, à la santé des salariés, à la sécurisation des parcours professionnels. Par la suite, la Solideo s'est dotée elle-même de sa propre charte, dans laquelle elle s'est donné 3 objectifs. Réserver 10% des heures travaillées à l'insertion professionnelle, rendre accessible 25% du montant des marchés aux PME, TPE et structures de l'économie sociale et solidaire, et promouvoir un modèle exemplaire dans le secteur de la construction en luttant contre le travail illégal, contre les pratiques anticoncurrentielles, contre les discriminations et en garantissant des conditions de travail de qualité. Nous avons regretté que les engagements de la charte sociale ne soient pas chiffrés, ce qui ne facilite pas le suivi de leur mise en œuvre. La Solideo s'est dotée d'un dispositif de suivi rigoureux, actualisé chaque mois et transmis à ses autorités de tutelle. Sa mission n'est pas achevée, mais nous pouvons déjà constater un bilan très positif. Plus de 2 millions d'heures d'insertion ont été réalisées, soit 85% de l'objectif cible. Cet objectif devrait donc être atteint et probablement même dépassé. Sur les 3 000 bénéficiaires, près de la moitié sont des résidents de la Seine-Saint-Denis. Un peu plus d'un tiers d'entre eux étaient des demandeurs d'emploi de plus d'un an, et la moitié avait moins de 30 ans. Sans remettre en cause ces excellents résultats, nous avons regretté la faible part des contrats d'apprentissage dans les contrats, seulement 14%. Nous avons surtout alerté sur l'insuffisance du dispositif du suivi de ces personnes après la fin de leur contrat de travail. La Solideo ne dispose pas de données, et bien que la Drieste d'Île-de-France ait lancé des études de cohorte, nous ne connaissons pas pour l'heure le taux de transformation de ces heures d'insertion en emploi durable. Le bilan apparaît positif également pour les marchés passés avec les TPE et les PME. Les montants engagés s'élèvent à 663 millions d'euros, soit 36% du total. L'objectif de 25% de montants engagés est donc largement dépassé et la promesse de retombées économiques locales tenue. Les entreprises franciliennes, toutes catégories confondues, ont bénéficié de 75% du montant des marchés. S'agissant des TPE et PME franciliennes, ce sont 65% des montants des marchés qui leur ont été dévolus, dont 15% pour celles implantées en Seine-Saint-Denis. La Solideo a fait des conditions de travail de la lutte contre le travail illégal une priorité et nous saluons l'engagement personnel de son directeur général. Les chantiers olympiques n'ont malheureusement pas échappé au travail illégal,
La Solideo ayant reconnu elle-même avoir été confrontée à une centaine de travailleurs en situation irrégulière, sur un total de 10 000 personnes mobilisées sur les chantiers, cela apparaît peu. Les travailleurs sans papier ont été depuis régularisés et une procédure judiciaire est en cours. Le COJOP a désormais engagé plus de 80% de ses procédures d'achat, qui se chiffrent à 2,3 milliards d'euros d'achats prévisionnels. Nous avons constaté une captation importante des retombées économiques liées à l'organisation des Jeux par les 14 partenaires du CIO, dits partenaires top, auxquels reviennent 377 millions d'euros. Les partenaires nationaux, c'est-à-dire les sponsors, bénéficient quant à eux de 750 millions d'euros, ce qui laisse 1,2 milliard d'euros pour la commande publique classique. Sur les près de 2000 fournisseurs du COJOP, 90% des fournisseurs du COJOP sont français, parmi lesquels 75% de TPE et de PME. Beaucoup de marchés comportaient des clauses de responsabilité sociale et environnementale. Et nous avons, avec Stéphane Peu et nos administrateurs, fait un déplacement assez instructif qui permet de mettre un zoom sur la situation de notre pays face à ce projet et cet enjeu de réindustrialisation. Sans rentrer dans les subtilités du droit de la commande publique, ce n'est pas d'ailleurs l'objet aujourd'hui de notre mission, mais on a pu voir que l'appel à manifestation d'intérêt du COJOP relatif à la fabrication des mascottes, qui avait été publié en mars 2021, ne pouvait faire explicitement référence à un taux de fabrication en France, mais entendait encourager les initiatives créant de la valeur économique, sociale et environnementale sur les territoires accueillant les Jeux olympiques et dans l'ensemble du pays. Il comportait également une référence explicite à la dynamisation des tissus économiques locaux. Pour de multiples raisons, l'immense majorité des peluches commercialisées en France sont produites en Asie. Et nous avions donc beaucoup de raisons d'être inquiets. Cette réalité industrielle s'explique évidemment par l'écart du coût de revient et par la différence de prix des produits. Les mascottes n'y échappent pas, puisqu'une mascotte produite en Chine est vendue 27 euros et une mascotte produite en France 40 euros. Pour le moment, nous ne savons pas combien de mascottes seront effectivement fabriquées sur le territoire national. L'objectif initial avait été fixé à 8%, mais pourrait atteindre 30% à la fin des Jeux. Alors, sans transition, je vais passer de la mascotte au transport. Bon, ça avait été un gros point d'alerte en février, et c'est quand même le sujet sur lequel nous, on considère, au terme de cette mission, qu'on n'a pas beaucoup avancé positivement et que toutes les inquiétudes formulées au mois de février n'ont pas été levées, loin de là. Pour les réseaux de transport franciliens, les Jeux apparaissent comme une grande chance et une opportunité unique à saisir pour accélérer leur développement et leur modernisation. Le défi logistique, avec près de 600 000 personnes à transporter chaque jour, sera sans précédent. C'est à peu près, pour avoir une idée, c'est en plein mois d'août, le trafic habituel des transports en Île-de-France, plus 15% au mois d'août. Quand habituellement, au mois d'août, c'est le trafic habituel, moins 40%. Donc, c'est un défi considérable. Or, notre inquiétude porte sur différents aspects. D'abord, de nombreux chantiers du Grand Paris Express accusent un retard irrattrapable. Les lignes 16 et 17 du Grand Paris, surnommées les lignes olympiques et devant desservir les sites olympiques de la Seine-Saint-Denis et le village des médias, ne seront pas prêtes pour les Jeux. Le calendrier du prolongement de la ligne 14 jusqu'à la gare de Saint-Denis-Pleyel, donc le village olympique, apparaît désormais très serré, sans certitude, s'agissant de la partie sud de la ligne qui, elle, doit desservir Orly. De plus, les Franciliens souffrent déjà aujourd'hui de dysfonctionnements répétés du réseau de transport qui n'a toujours pas retrouvé une activité normale depuis la sortie de la crise sanitaire. Dans ce contexte, et alors que les transports franciliens sont très fragiles, nous considérons que l'ouverture à la concurrence des bus parisiens prévue au 1er janvier 2025, donc mise en place en 2024, concomitamment aux Jeux, nous semble une très mauvaise idée. Nous avions préconisé un décalage de cette date lors de notre point d'étape et une proposition de loi que j'avais déposée a été discutée en mars dernier. J'étais contraint de la retirer suite à sa dévitalisation.
Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ne souhaite pas pour l'heure modifier le calendrier initialement prévu, alors que les conséquences sociales d'une telle décision pourront perturber le bon déroulement des Jeux. J'ajoute que les décrets pour que le président de la RATP, Jean Castex, conduise des négociations sociales sur cette ouverture à la concurrence ne sont toujours pas connus, ni même publiés, ni même rédigés, ce qui rend tout à fait impossible de négocier dans de bonnes conditions l'ouverture à la concurrence. En évoquant les transports, nous évoluons naturellement vers la question de leur mise en accessibilité par les spectateurs en situation de handicap. L'ensemble des bus et tramways, ainsi que l'ensemble des gares ou lignes en cours de rénovation permettront l'accueil des personnes à mobilité réduite. Mais notre réseau ferré, et notamment le réseau souterrain, le métro, est trop ancien pour être mis aux normes. Le gouvernement a donc prévu des solutions, mais les moyens manquent. Pas assez de bus, pas assez de personnel, pas assez de taxis en circulation et de véhicules véritablement adaptés au handicap. En ce sens, la loi olympique que nous avons votée récemment, en favorisant l'augmentation du nombre de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant, devrait améliorer la situation. Plus largement, sur le handicap, nous sommes interrogés sur le développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Chacun conviendra, les Jeux olympiques et paralympiques n'ont pas la même exposition médiatique. Le décret relatif aux événements d'importance majeure n'inclut toujours pas les Jeux paralympiques, ni même les grands événements parasportifs à venir, tels que le championnat du monde de paraathlétisme ou la Coupe du monde de rugby en fauteuil. Ce décret doit également inclure davantage, à nos yeux, d'événements de sport féminin. Sa révision est en cours et une nouvelle liste sera soumise à la Commission européenne d'ici la fin de l'année. À nos yeux, il est donc essentiel que le parasport soit mieux représenté. Un axe crucial du développement de la pratique des personnes en situation de handicap consiste également à former des encadrants dans les clubs. À ce jour, seuls 1,5% des 180 000 associations sportives se déclarent en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap. Le dispositif club inclusif n'aura permis de former que 700 clubs d'ici la fin de l'année 2023. Nous devons, à nos yeux, aller beaucoup plus loin et renforcer les moyens alloués au sport et au parasport adapté. Sujet sécurité. Donc les Jeux, c'est aussi, bien sûr, le défi de la sécurisation de l'événement, un point sur lequel nous n'avons pas le droit à l'erreur. La charge sera extrêmement lourde pour nos forces de sécurité intérieure, dans un contexte de tensions capacitaires inquiétantes que chacun aura pu constater encore ces derniers jours. Pour la seule cérémonie d'ouverture sur la scène, pas moins de 45 000 policiers seront mobilisés, soit un cinquième des effectifs nationaux de police et de gendarmerie. Et l'armée sera chargée de sécuriser la flotte composée de 180 embarcations sur la Seine. Si l'État est responsable de la sûreté dans les transports et sur la voie publique, la sécurisation des sites de compétition relève, elle, du COJOP. Le nombre d'agents de sécurité privée nécessaires pour sécuriser les sites de compétition est estimé entre 20 000 et 30 000 par jour. Effectif qui ne sera sans doute pas atteint. Les premiers marchés publics attribués en mars dernier par le COJOP à 28 entreprises permettent à peine de couvrir la moitié des ressources nécessaires. Le COJOP est en cours d'analyse de la deuxième vague des marchés publics relatifs à la sécurité publique, qui en comporte 4. La troisième a été lancée au mois d'avril, mais les grands acteurs du secteur et le groupement des entreprises de sécurité privée ne soumissionnent pas pour le moment. Dans ce contexte, il semble difficile d'envisager le recrutement d'un nombre suffisant d'agents. Nous tenons toutefois à saluer le travail sans précédent qu'ont conduit le CNAPS, l'émission locale et Pôle emploi, qui œuvrent depuis des mois pour recenser non seulement les anciens détenteurs d'une carte d'agent de sécurité privée, mais également les presque 20 000 demandeurs d'emploi qui ont été inscrits à un moment de leur carrière dans les métiers de la sécurité privée. De même, nous saluons la création d'une nouvelle carte professionnelle, dite carte événementielle, permettant de former en 106 heures au lieu de 175 heures, des étudiants ou des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient venir renforcer les équipes de sécurité privée, notamment pour le contrôle des SAS et les fouilles à l'entrée des sites de compétition. Malgré ces efforts qu'on relève et qu'on salue, le recours aux forces de sécurité intérieure sera sans doute nécessaire pour pallier le déficit d'agents de sécurité privée,
ce qui devra d'ailleurs in fine être financé par le COJOP lui-même, puisque c'est sa responsabilité, la sécurisation des sites de compétition. Au-delà de ces sujets de préoccupation, transport, sécurité, les Jeux présentent bien évidemment aussi des visages, un visage positif. Ces Jeux ont d'ores et déjà permis la modification de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. La loi olympique que nous avons examinée au mois de mai dernier a enfin mis dans notre code du sport en conformité avec la Convention internationale contre le dopage dans le sport, que la France avait ratifiée en 2005. Il était donc plus que temps. Désormais, des analyses génétiques peuvent avoir lieu en matière de lutte contre le dopage, dans 4 cas expressément prévus par la loi et encadrés par elle, et notamment en cas de mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite. Un mot sur les aspects aménagement urbain et héritage des Jeux en matière d'infrastructure. Bon, l'une des forces de la candidature de Paris 2024, c'était d'avoir des Jeux qui allaient principalement se dérouler sur des infrastructures existantes. Donc très concrètement, 95% des infrastructures sportives utilisées pour les Jeux, soit elles existent déjà, soit elles seront temporaires. Il n'y aura donc pas, contrairement à d'autres Jeux olympiques précédents, il n'y aura pas d'éléphant blanc à l'issue de ces Jeux, c'est-à-dire des infrastructures qui deviennent ensuite vides, obsolètes, ou qui se dégradent, ou qui n'ont pas d'usage, et qui représentent souvent des gâchis insupportables pour les populations dans l'organisation des Jeux olympiques. Les Jeux en France et à Paris 2024 sont à l'abri de ce risque. À l'issue des Jeux, la destination des ouvrages qui composent le village des médias ou le village olympique et paralympique va permettre à un département comme la Seine-Saint-Denis, qui m'est cher, de bénéficier à la fois de crèches, de groupes scolaires, d'écoles nouvelles ou d'écoles rénovées et aussi, bien sûr, de logements. Le contrat de concession du centre aquatique olympique à Saint-Denis, chez moi, comporte une délégation de services publics. Elle devra permettre aux écoles du quartier de bénéficier de créneaux horaires spécifiques afin de résorber l'écart significatif entre les enfants du département et les autres dans la maîtrise de la natation. Et je rappelle à ce sujet qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, la moitié des enfants ne savent pas nager, contre un quart des enfants sur le reste du territoire. Pour conclure, nous souhaiterions aborder le thème que nous avons le plus exploré au cours de la seconde partie de nos travaux, le développement de l'activité physique et sportive à l'école, ce qui sera une réponse à votre interrogation, Madame la Présidente. Toutes les personnes que nous avons rencontrées sont unanimes, la littérature scientifique l'est également, tout commence à l'école et d'un certain point de vue, tout finit à l'école. C'est là que se prennent les bonnes comme les mauvaises habitudes, que s'ancre l'habitus sportif ou les comportements sédentaires. Par ailleurs, l'école est plus que jamais le lieu de l'égalité. Plus d'un enfant sur deux ne pratique pas de sport en dehors de l'école. Certains pourraient en conclure qu'il faut davantage inciter les parents à pousser leurs enfants vers la pratique sportive. Nous en convenons parfaitement. Et des dispositifs existent, comme le passeport qui poursuit sa montée en puissance. Tous les problèmes ne peuvent pas se régler à l'école et nous ne faisons pas partie de ceux qui attendent tout d'elle. Cependant, elle peut et doit faire beaucoup. La lutte contre l'inactivité physique des jeunes est une priorité de santé publique. Tous nos interlocuteurs, y compris récemment, c'était la semaine dernière à l'occasion d'un déplacement, des directeurs d'école rencontrés à Trappes, nous ont alertés. Les enfants sont essoufflés, découragés par le moindre effort physique. Leurs capacités physiques ont drastiquement diminué et l'usage des écrans s'est intensifié depuis les confinements, nous le savons tous. Face à cette réalité qui menace autant le bien-être physique que mental de ces futurs adultes, que les finances sociales de notre pays, il est urgent d'agir. Le COJOP a développé un programme d'éducation Génération 2024 et le ministère de l'Éducation nationale a mis en place plusieurs dispositifs d'augmentation de la pratique sportive scolaire. Est-ce que pour autant tout va mieux ? Hélas, non. Pour rester pudique, nous avons constaté que l'école se hâte encore un peu trop lentement. Les programmes des 30 minutes d'activité physique quotidienne ou les 2 heures de sport supplémentaires
au collège sont des dispositifs bienvenus, mais malheureusement, ils restent insuffisants. Nous devons revaloriser l'enseignement de l'EPS, où de nation sportive, il n'y aura pas. L'éducation physique et sportive offre aux enfants un socle minimal d'activité physique, mais elle présente aussi des vertus pédagogiques essentielles, goût de l'effort, respect de l'autre, attention portée à son corps, esprit d'équipe. Et je crois que nous pouvons tous nous accorder, au-delà de nos appartenances et nos sensibilités politiques, sur la nécessité de cultiver ces valeurs chez nos enfants. Or, les horaires de PS ne sont pas effectifs, en particulier dans l'école primaire. Plusieurs enquêtes l'ont démontré, alors que l'horaire officiel est de 3 heures hebdomadaires, beaucoup d'écoles n'atteignent même pas les 2 heures. Faute de temps, d'installations sportives de proximité, mais aussi, il faut le dire, par manque de formation des professeurs des écoles ou d'appétence de ces derniers. Les heures consacrées à l'EPS dans la formation initiale des instituteurs sont ridiculement basses. Et lorsque l'on regarde du côté de la formation continue, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est guère mieux. Les sessions de formation continue sont en hausse depuis quelques années, mais nous sommes encore très très loin du compte. Nous demandons donc une revalorisation de la discipline qui passe, selon nous, par une augmentation des horaires d'EPS, 4 heures au primaire et au collège, 3 heures au lycée, développement massif des sections sportives scolaires, retour de l'EPS aux épreuves finales du brevet, intervention de professeurs d'EPS de second degré en appui aux professeurs des écoles plutôt que des intervenants extérieurs. Voilà quelques mesures simples qui doivent, selon nous, s'inscrire dans l'héritage des Jeux Olympiques. Le sport à l'école, c'est aussi le sport scolaire qui concerne trop peu d'enfants. Seulement 22% des élèves du second degré sont licenciés à l'UNSS. Et dans le primaire, l'UCEP n'est présente que dans 20% des écoles. Nous avons qualifié l'UCEP de cinquième roue du carrosse olympique. Ces bénévoles, car le fonctionnement de l'UCEP relève presque exclusivement du bénévolat, ont le sentiment d'être les laissés pour compte de l'héritage olympique, auquel ils participent pourtant pleinement. Son modèle est historiquement très différent de celui de l'UNSS, qui a été qualifié par la Cour des comptes de para-administration du ministère de l'Éducation nationale. L'UNSS dispose de moyens et de ressources humaines pour faire fonctionner les associations sportives, notamment à travers le forfait de 3 heures des professeurs d'EPS. Les professeurs des écoles bénévoles, eux, bénéficient rarement de décharges ou d'indemnités périéducatives. Le résultat est sans appel, l'UCEP peine à s'implanter dans les écoles. Participer aux activités de l'UCEP aujourd'hui relève d'un acte militant. Or, le bénévolat est en crise et les professeurs des écoles sont assaillis de demandes sociales. Nous devons donc leur donner du temps et des moyens pour qu'ils puissent engager leur classe dans le sport scolaire. Nous proposons donc de mieux associer l'UCEP au déploiement des programmes d'héritage olympique et surtout de réserver une enveloppe budgétaire dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale au développement du sport scolaire. Enfin, mieux valoriser le bénévolat paraît urgent et le ministère doit s'y atteler. Indemnités périéducatives, décharges de services, activités pédagogiques complémentaires, les voies et les moyens possibles ne manquent pas. Reste à mobiliser la volonté politique. Voilà, on a été un peu long, mais c'est la conclusion, la toute dernière conclusion. J'avais prévu de rajouter des choses sur l'école, mais je ne vais pas le faire. Simplement un message. C'est la question. Non, le message, c'est celui du renforcement de l'éducation physique et sportive comme une matière éducative à part entière. Et pas seulement de se bouger, mais aussi d'apprendre l'altérité, le goût de l'effort, le sens du collectif. Enfin, c'est tout ça, l'éducation physique. Revenir avec une éducation physique et sportive qui permette d'avoir des notes au brevet, au bac, d'avoir des facilités à l'université, tout ça nous semble excessivement important. Et enfin, pour conclure, dire qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur les Jeux olympiques, qu'à travers les Jeux, il y a plein de problématiques sociales qui viennent et qui sont traitées, et que d'ores et déjà, Stéphane Mazard et moi-même posons notre candidature à la Commission pour qu'après les Jeux olympiques, nous puissions poursuivre cette mission par évaluer, une fois les lampions éteints, ce qui sera réellement, ce qu'auront donné réellement ces Jeux pour le pays et quel héritage réel nous pourrons enregistrer.
Merci, messieurs les co-rapporteurs. En effet, on a bien compris et senti votre passion et votre appétence pour ce sujet et votre volonté de poursuivre. Mais je rappelle aussi à l'Assemblée et à ceux qui nous écoutent que nous avons un groupe de travail qui aussi est constitué, qui travaille très bien et qui verra aussi quel est l'héritage qui peut être fait de ces Jeux. Et d'ailleurs, à la rentrée, ils nous feront un point d'étape pour nous informer d'où ils en sont. Mais les travaux sont complémentaires. Effectivement, ce sujet est très, très vaste et il a besoin d'être exploré sous toutes ses formes. Et pour cela, nous allons commencer par Renaissance, pour les orateurs de groupe, avec Belkhir Belhadad. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, merci pour la qualité de ce rapport, la densité des sujets traités, les nombreuses recommandations que vous faites et que je partage, bien entendu. Cet événement planétaire sera, n'en pas douter, une réussite et une fierté pour notre pays. C'est vrai qu'organiser des Jeux olympiques et paralympiques est d'une complexité inouïe, mobilisant de très nombreux acteurs. Néanmoins, vous le disiez à plusieurs reprises dans votre rapport d'étape, si les Jeux s'annoncent vertueux, leurs retombées économiques et sociales, certes difficiles à évaluer, semblent sur certains points incertaines. Direz-vous la même chose aujourd'hui? Et je veux pour prendre l'exemple de l'hébergement, dont les besoins sont énormes. Autre sujet, les transports que vous avez évoqués. Cette question s'inscrit dans un contexte de retard des chantiers, dans un cadre institutionnel d'éclatement des compétences. Et celle de l'accessibilité aux personnes handicapées, c'est un des grands regrets pour les lignes existantes. Nous devons également trouver une solution très rapidement avec la région, s'agissant de l'ouverture à la concurrence des bus parisiens. Le calendrier d'ouverture à la concurrence tel qu'il est prévu aujourd'hui n'est pas tenable. Vous avez raison d'évoquer la question de l'héritage, un point central pour faire de notre pays une nation sportive. À ce sujet, je voudrais vous interpeller sur deux d'entre eux. Le modèle de GESI développé dans le cadre de ces Jeux olympiques, à travers tous les sujets que vous avez pu aborder, hein, donc Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, vous paraît-il de nature à être dupliqué pour l'organisation d'autres grandes manifestations, voire à l'exporter, comme l'ont fait les organisateurs de Londres 2012, est un enjeu également de souveraineté. La deuxième question que je voudrais évoquer avec vous concerne la question du financement des équipements sportif structurant qui est majeur dans notre pays. Quels sont, à votre avis, les accompagnements nécessaires pour être au rendez-vous? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le Rassemblement national, Angélique Rank. Merci, madame la présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je tenais dans un premier temps à souligner la qualité de vos travaux et vous en remercier. Le Rassemblement national est ferme. L'accessibilité des Jeux par l'opinion publique passe tout d'abord par la sécurité de nos concitoyens durant cet événement de grande envergure, notamment depuis les violences lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais elle passe également par l'héritage matériel, concernant l'aménagement urbain, les différentes infrastructures sportives et le transport. Or, ce plan héritage et durabilité est irrémédiablement une promesse d'amélioration de la qualité de vie dans les collectivités hôtes. Et alors qu'on s'attend à des infrastructures intelligentes et polyvalentes qui pourront participer à répondre aux besoins des Français ainsi qu'à une amélioration des réseaux de transport, nous peinons à trouver un seul exemple en la matière. Pour ne parler que du transport, les deux tiers du Grand Paris ne seront pas réalisés. Et pour le moment, les lignes de métro les plus empruntées ne seront que plus surchargées et délabrées à l'été 2024. Les émeutiers ont d'ailleurs commencé le travail la semaine dernière. D'autant plus qu'on nous vend depuis le début des travaux pour les personnes en mobilité réduite. Mais formellement, si les Parisiens ne peuvent pas prendre le métro à la moindre intempérie aujourd'hui, je doute que les personnes en mobilité réduite le puissent avec 13,5 millions de visiteurs en plus. J'ai d'ailleurs pu observer hier que le rapport fait les mêmes observations et qu'il n'est pas non plus optimiste sur le sujet. Le gouvernement doit se montrer transparent. Entre les étudiants du Crous expulsés pour loger les autres et les perquisitions du COJOP et de la Solideo, le dossier inquiète, et à juste titre. Ce n'est pas faux d'être alerté sur tous ces risques en amont. Ainsi, alors que nos concitoyens commencent d'ores et déjà à faire des sacrifices pour l'organisation de ces Jeux, que pouvons-nous leur assurer véritablement sur cet héritage? Quelles seraient les solutions? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Pour LFI NUPES, Jérôme Legavre. Merci, madame la présidente. Messieurs, le rapport que vous venez de nous présenter fourmille d'éléments et d'informations. On a bien compris, notamment, qu'en termes de transport, le chaos est d'ores et déjà annoncé. Chaos dont les responsables sont directement le gouvernement
et la présidente de région, je tiens quand même à le rappeler, plusieurs interrogations demeurent en matière de droits des travailleurs, de travailleurs sans papier, d'atteinte aux libertés. Alors, je me concentrerai sur un certain nombre de questions. Les logements, d'abord. Il manque 120 000 logements en Seine-Saint-Denis. Plusieurs logements sont annoncés. Je n'ai pas eu de réponse à mes interrogations concernant la nature de ces logements et en particulier la proportion de logements sociaux dans ce cadre. Qu'en est-il des étudiants logés aujourd'hui en cité universitaire du Crous et dont le COJO demande l'éviction durant la période des JO, ce qui est quand même particulièrement choquant. Enfin, vous avez évoqué la charte en faveur de l'emploi et vous la créditez de transparence exemplaire. Au 13 juin 2023, 129 accidents de travail sur les chantiers ont été recensés. La Driette a qualifié la problématique des travailleurs sans papier de récurrente. Exemplarité, on peut se poser la question. Pourquoi une charte alors que le code du travail aurait simplement à s'appliquer ? Étant donné les volumes d'heures d'insertion cités, le nombre de contrats cumulés, devrions-nous en déduire que l'exemplarité des JO consiste à octroyer des contrats de 4 mois à des habitants dont le rapport souligne lui-même qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils deviennent ensuite ? Avez-vous pu savoir pourquoi seuls 6% de ces contrats sont des CDI ? Et pourquoi l'insertion professionnelle est-elle systématiquement accolée à résidents des quartiers prioritaires de la ville, n'est-il plus possible dans ce pays, selon le Code du travail, d'embaucher en CDI avec un mois d'essai ? Voilà quelques questions que je souhaitais vous poser. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Maxime Minot. Merci, madame la présidente. Messieurs les rapporteurs, au-delà de la question de l'organisation des Jeux qui nous préoccupe tous actuellement, la question de l'héritage est un des enjeux majeurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Héritage matériel, mais aussi immatériel, mis notamment en avant lors de la candidature portée devant le CIO. Alors, votre mission d'information a brossé un champ large, d'ailleurs au-delà de vos prérogatives, d'ailleurs, qui vient compléter d'ailleurs les travaux du groupe de travail chargé du suivi de la préparation des JOP de Paris 2024. J'ai deux questions qui me sont venues en vous écoutant, notamment sur les enjeux de sécurité, puisque le groupe de travail que je co-préside avec Belkir a fait un large focus sur le sujet. Donc, je voulais bien évidemment partager votre point de vigilance sur le sujet. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur les personnes auditionnées sur le sujet ? Un deuxième point qui m'est venu également lors de votre présentation, c'est sur un point d'héritage important, c'est le nettoyage de la Seine. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce point, puisque c'est un héritage vraiment qui sera visible de tous. Et enfin, pour en revenir à vos prérogatives, votre rapport souligne la prise de conscience collective d'une certaine inactivité de notre jeunesse, due en partie aux conséquences de la crise sanitaire. Vous soulignez également l'impact qu'auront ces jeux, notamment au niveau scolaire, sur l'encouragement à la pratique du sport. Toutefois, n'y a-t-il pas un risque d'effet pervers avec une baisse subite de l'activité sportive post-JO, malgré les moyens qui sont déployés ? Donc ma question est simple, comment faire pour que cette pratique perdure dans le temps ? Et avez-vous identifié des axes à mettre en place pour que perdure cet héritage sportif ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les démocrates, Laurent Esquenegox. Merci, madame la présidente. Messieurs les rapporteurs, cher Stéphane Hess, votre travail est aussi vaste que le chantier des Jeux olympiques et aussi ambitieux que la construction de la ligne TGV Paris-Toulouse, dont vous alertez d'ailleurs sur les incessants retards. On l'attend, elle va finir par arriver. Du fait de son ampleur, votre rapport appelle donc à de très nombreuses questions. Aussi, je tenterai ici de me concentrer sur les particuliers points d'attention soulevés par le groupe démocrate. Le premier enjeu porte sur le développement du tourisme hors capitale. Comme le relève très justement votre rapport, les effets sur Paris des Jeux olympiques en termes d'augmentation du tourisme seront limités. Dès lors, comment assurer que le public international soit orienté au cours de ces Jeux sur la découverte des autres villes concernées par cette manifestation ? Les JO doivent être l'occasion de développer le tourisme national et non plus seulement parisien. C'est ce que devraient notamment permettre les French Tours, que compte mettre en œuvre la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, en lien avec les comités régionaux du tourisme, pour faire découvrir nos beaux territoires. Avez-vous eu l'occasion, au cours de votre mission, de rencontrer ces comités afin de constater l'avancée de la préparation de ces circuits touristiques ? Sur un tout autre sujet, celui de l'handisport, les associations sont très nombreuses à réclamer une plus grande inclusivité des Jeux paralympiques. En effet, les compétitions sont très majoritairement tournées vers les personnes en situation de handicap moteur, occultant ainsi les personnes ayant des déficiences intellectuelles. Comment pallier à cette discrimination ? J'en profite d'ailleurs pour rappeler à mettre davantage en lumière les parasportives,
trop peu exposées médiatiquement. Les femmes en situation de handicap ne sont que 10% à pratiquer un sport. Je salue à ce titre le travail de l'association ASEI de mon territoire, qui vise à encourager la pratique sportive chez ce public. Enfin, quelle doit être, selon vous, la position que devra tenir la France, pays de la loi 1905 et de la lutte contre les communautarismes, sur le port de signes religieux ostentatoires en tout genre pendant les épreuves de la compétition? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les socialistes et apparentés, Fatia Kelouachi. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, au nom du groupe socialiste et apparenté, je souhaite vivement et chaleureusement remercier les deux co-rapporteurs pour la qualité de leurs travaux. Travaux menés avec vraiment beaucoup de sérieux et, je crois, beaucoup de finesse. Pour nos territoires terres d'accueil, qui sont les terres d'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, il est essentiel de se projeter dans l'après-JOP 2024. La préparation de ces Jeux demande des sacrifices pour les habitants et les habitantes des territoires concernés, notamment les habitants et les habitantes de Seine-Saint-Denis, avec des nuisances liées notamment aux travaux préparatoires. Et il est tout à fait normal que ce grand événement sportif puisse ensuite déboucher sur des dynamiques positives et à long terme sur nos territoires. J'aimerais, pour ma part, revenir sur l'impact des Jeux olympiques sur le développement des fédérations sportives scolaires dans nos établissements. Selon l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, 73% des jeunes de 11 à 17 ans n'atteignent pas les recommandations de 60 minutes d'activité physique par jour. L'UNSS et l'UCEP jouent un rôle majeur dans la lutte contre l'inactivité sportive de nos jeunes. Pour que le sport soit accessible à toutes et à tous, il doit être financièrement abordable. Avec une moyenne de licence à 20 euros, les fédérations sportives scolaires permettent aux jeunes des milieux défavorisés d'avoir accès à un plutôt grand nombre de sports. Au cours de vos auditions, messieurs les rapporteurs, avez-vous pu avoir un panorama de la situation actuelle des fédérations sportives ? On a bien vu qu'entre 2018 et 2021, il y avait une perte, par exemple, pour les collèges de 100 000 licenciés, ce qui est pour moi énorme, et qu'aujourd'hui, semble-t-il, il y a une reprise, mais qu'elle n'est pas à la hauteur du pré-Covid. Donc on aimerait savoir ce que vous pensez du rayonnement des Jeux olympiques 2024. Est-ce qu'ils permettront de redynamiser et de dynamiser à long terme les fédérations sportives ? Quelles mesures doivent être mises en place selon vous pour que chaque élève à l'école, via l'école, puisse découvrir la pratique du sport qu'il souhaite? Merci. Merci, madame la députée. Pour Horizon et Apparenté, Béatrice Bellamy. Merci, madame la présidente, mes chers collègues, chers rapporteurs. Je vous remercie pour la présentation de ce rapport, fruit de longs mois de travail et résultat de votre collaboration. Il nous permet de mieux appréhender cet événement majeur et de nous en rapprocher toujours un peu plus. Car, comme vous le citez, 387 jours nous séparent de ces épreuves. Elles feront de la France, durant plusieurs semaines, le pays sur lequel les yeux du monde seront rivés. Ces Jeux sont une opportunité pour notre pays, une opportunité de montrer aux athlètes, aux délégations, tout ce que nous aurons pu collectivement mettre en œuvre pour leur permettre de performer dans les meilleures conditions. Une opportunité économique, évidemment, une opportunité vertueuse également, avec une mise en œuvre responsable et durable. Une opportunité pour nos territoires avec de nombreuses retombées et effets positifs. Pour ma part, je souhaite revenir sur les chantiers en cours. Les TPE et PME qui y œuvrent sont investis d'une véritable mission de valorisation de notre savoir-faire français. La Solideo s'était donnée pour objectif d'engager 534 millions d'euros de marché auprès des TPE, PME et structures de l'économie sociale et solidaire. En juin 2023, vous nous avez fait remarquer que ces objectifs avaient été atteints et même dépassés, avec 363 millions d'euros engagés au profit de 1891 TPE-PME et 99 structures de l'ESS, réparties dans 99 départements. C'est un point très positif qu'il faut indéniablement relever et qui, je crois, mérite d'être publiquement salué. Maillon fort de la chaîne de réussite, ces entreprises n'ont de cesse d'innover. Et je pense particulièrement à une entreprise vendéenne, Hoffmann Green, pionnière dans le béton bas carbone, comme celui utilisé sur les chantiers des Jeux olympiques. Cependant, dans votre rapport, vous recommandez de prêter une attention particulière à la limitation des marchés de sous-traitants dans la dernière phase du second œuvre.
Pourriez-vous, messieurs les rapporteurs, nous préciser votre recommandation numéro 10 et nous détailler les constats que vous auriez pu faire ainsi que les points d'amélioration attendus? Nous souhaitons tous que ces Jeux continuent plus que jamais de mettre en valeur nos entreprises et territoires. Merci, Madame la députée. Pour Écologiste Nupes, Francesca Pasquini. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, je souhaite saluer au nom du groupe écologiste le travail de grande qualité mené par Stéphane Mazard et Stéphane Peu sur un sujet essentiel à la vitalité économique et culturelle de notre pays. Les citoyens ont droit à la transparence la plus totale sur cet événement inédit. Si nous nous réjouissons de nombreuses retombées attendues tant au plan économique que culturel et de la priorité accordée au sport en 2024, certains points nous paraissent encore vagues et méritent d'être éclaircis. Tout d'abord, vous abordez dans un paragraphe important la question des SAS mis en place par le ministre de la Ville afin de désengorger l'hébergement d'urgence en Île-de-France. Si le ministère se défend en public de n'établir aucun lien avec les Jeux Olympiques, on peut en douter au regard des chiffres que vous avancez. L'approche des grands événements sportifs internationaux risque de provoquer une baisse de 3 000 à 4 000 places hôtelières d'hébergement d'urgence. Ma première question est donc la suivante. Comment mieux coordonner cette stratégie de désengorgement? Je souhaiterais aborder un dernier sujet, particulièrement au regard des événements de ces derniers jours, celui de la sécurité. Vous le rappelez, la Cour des comptes estime entre 22 000 et 33 000 le besoin quotidien d'agents de sécurité privés sur les sites de compétition, auxquels s'ajoutent 35 000 agents de forces de sécurité intérieure et 10 000 militaires. Les événements lors du match avec Liverpool ont laissé un souvenir amer aux supporters et suscité la condamnation unanime des instances sportives anglaises. Plusieurs rapports, y compris du gouvernement, ont également pointé les dysfonctionnements policiers et organisationnels. J'aborderai donc immédiatement cette question épineuse mais nécessaire. Ne faut-il pas revoir le chemin de maintien de l'ordre et notamment la question de l'usage des gaz lacrymogènes? Et aussi, je tiens à souligner un point important qui était dans votre rapport, celui des moyens du tribunal de Bobigny que j'ai visité. Donc si les moyens de police augmentent de 300%, il faut aussi par conséquence que les moyens de ce tribunal puissent augmenter. C'est toute la chaîne pénale qui doit être renforcée. Merci, Madame la députée. Pour GDR NUPES, Soumia Bourouara. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de ce rapport et le travail que vous avez réalisé dans un temps record. Vous nous avez fait un premier point sur la sécurité et les transports il y a quelques mois et je souhaite revenir sur le sujet ô combien compliqué en Île-de-France, les transports en commun. Je suis une élue de Seine-Saint-Denis, tout comme toi, Stéphane, et je ne peux qu'alerter à mon tour sur la situation très dégradée de ceux-ci. En particulier dans le contexte d'ouverture à la concurrence. J'appelle à la responsabilité sur ce sujet pour ne pas rendre impossible la vie des habitants et des habitantes de revenir sur cette mauvaise décision. Cela étant dit, je souhaite aborder la pratique sportive à l'école dans le temps qui m'est imparti, même si j'aurais tant de remarques à faire sur différents points que vous avez évoqués. La pratique sportive est aussi traversée par les inégalités de classe, de genre, ou liées à leur handicap. Je pense que le rôle de l'école doit compenser ces inégalités, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'EPS est une matière à part entière et indispensable dans ce cadre. En primaire, je partage toutes les recommandations faites par le rapport. Augmentation de la formation initiale et continue des professeurs des écoles en EPS, désignation d'un ou référente d'EPS dans chaque école, expérimentation de la présence de professeurs d'EPS sous la supervision du professeur des écoles pour le cycle 3, CM1, CM2. Sur cette dernière mesure, cela ne pourra se faire qu'avec un recrutement plus massif de professeurs d'EPS et des modalités d'horaires à définir, mais cela constituerait une réponse pertinente en ouvrant l'école primaire à une expertise extérieure tout en restant dans le cadre de l'éducation nationale. Cette proposition est d'ailleurs soutenue par le syndicat le SNEP FSU. De même, il faut un retour de l'EPS dans les épreuves du diplôme national du brevet. Et enfin, le sport qui fait le pont entre l'école et les clubs en permettant de découvrir diverses disciplines doit être renforcé, en particulier en primaire. Vous l'avez dit, le renforcement de la pratique sportive à l'école est indispensable à la santé publique, au bien-être, au goût de l'effort, au collectif. Et ça doit être une priorité dès le plus jeune âge et dans de très bonnes conditions. Donc, articuler les nouveaux dispositifs comme les 30 minutes par jour, les 2 heures en collège avec une revalorisation de l'EPS est donc indispensable. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Lyotte, Stéphane Lenormand.
Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. À mon tour, je tiens à saluer la qualité de votre travail sur un sujet important. Mais je dirais qu'avec deux Stéphane à la barre, il ne pouvait pas en être autrement. Et c'est un autre Stéphane qui vous le dit en termes de solidarité, bien entendu. Plus sérieusement, je voudrais, pour ne pas reprendre un certain nombre de propos qui ont été tenus par mes collègues, avoir votre avis sur les Outre-mer et les territoires ruraux en termes de retombées économiques à tous les niveaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il est important que cet événement Mon cher collègue, est-ce que vous pouvez vous arrêter juste quelques instants? Non, non, mais histoire que le calme revienne, parce qu'en fait, moi, je ne vous entends absolument pas et je suppose que les rapporteurs n'entendent pas plus que moi. Donc, je vous propose de recommencer toute cette séquence afin que nous puissions bien vous entendre. Merci. Non, non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai absolument pas entendu le début de l'intervention. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Voilà. Bien, mais écoutez, je ne reprendrai pas le petit hiatus sur le prénom Stéphane. J'irai directement aux questions. La première, donc, sur l'outre-mer, sur l'effort qui doit être consenti sur les territoires ruraux et les territoires d'outre-mer qui sont parfois oubliés en termes de retombées sur des événements qui restent concentrés au niveau national sur des régions qui sont déjà souvent assez bien fournies, notamment en équipement. J'aimerais avoir un peu votre analyse sur ce sujet. Ensuite, je voudrais revenir, et vous l'avez évoqué, sur les problématiques liées au marché des transports et à celui aussi, c'est M. Mazard qui l'a évoqué, sur le retard pris dans les appels d'offres au niveau de la sécurité. Est-ce que vous avez pu, au cours de vos entretiens, identifier certaines explications autres peut-être que les deux années de Covid ? Pour expliquer que, après, entre le moment où les jeux ont été attribués et à un an de ceci, on soit quand même dans une situation qui va peut-être remettre en cause ce beau rendez-vous. Parce que si, au niveau des épreuves sportives, je ne suis pas très inquiet sur ces deux dimensions. J'aimerais avoir un peu, si vous avez eu quelques retours, quelques explications. Ça peut être technique, ça peut être lié au marché public. Est-ce que les appels d'offres ont été bons? Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux sur les marchés? Je ne sais pas si vous avez quelques informations sur ce sujet. Et enfin, sur l'élément que vous avez évoqué sur la dimension du sport, c'est un constat que je partage en tant qu'enseignant enseignant. Je pense qu'il y a vraiment là, à mon sens, une réflexion qui doit être beaucoup plus large et plus approfondie et qui doit naturellement repenser complètement les objectifs que l'on peut y mettre dans l'éducation nationale au niveau du sport. Et ça commence de l'école au collège. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas plus sur ce genre de réflexion qu'il faut aller pour profiter de l'effet boost des Jeux Olympiques et que cela s'installe dans une continuité pour que nos enfants réapprennent le goût du sport? Merci. Merci, mon cher collègue. Donc maintenant, c'est Stéphane ou Stéphane qui répond? Donc c'est Stéphane. C'est Stéphane. Très bien. Bien, merci pour l'ensemble de vos interventions. Et on va essayer de répondre donc... Stéphane Peu et moi-même, donc à vos questions. On va essayer de les prendre un peu par thème, sans forcément nommer celui qui nous a posé la question de manière précise. La sécurité. Alors, c'est vrai que la sécurité, on l'avait déjà traitée de manière assez importante au mois de février, lors de la présentation du point d'étape, parce qu'on se disait qu'il est encore temps d'alerter sur les enjeux de sécurité et sur la nécessité qu'il y a à monter en puissance sur la capacité à recruter et à faire venir des demandeurs d'emploi, des étudiants sur ces métiers-là, qui vont nécessiter beaucoup de ressources humaines, puisque, encore une fois, les chiffres ne sont pas neutres, entre 25 000 et 30 000 agents de sécurité privée au quotidien. On l'a salué dans notre rapport. Franchement, c'est vrai que les pouvoirs publics, quand même, se sont... emparés du sujet, et ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs qu'on a indiqués, que j'ai indiqué tout à l'heure, pour attirer des candidatures. Mais le constat, il est celui-ci. On sait qu'on n'aura pas le nombre requis d'agents de sécurité privée. Donc il faudra effectivement, et il faut d'ores et déjà, c'était le rapport de la Cour des comptes d'ailleurs qui le disait, on l'a dit également et on continue à le dire, il faut bien évidemment se projeter sur les moyens à mettre à la disposition du COJOP pour sécuriser les lieux de compétition. Donc ça passera par la sécurité, enfin les forces de sécurité intérieure, l'armée dans certains cas,
Après, il faut aller jusqu'au processus des appels d'offres. Donc aujourd'hui, on est au milieu du guet, il faut aller jusqu'au bout. Alors votre question, c'est de savoir qu'est-ce qui explique aujourd'hui le peu d'engouement pour des entreprises de répondre aux appels d'offres, et puis pour les particuliers d'embrasser cette profession quand on est demandeur d'emploi, étudiant, et qu'on peut y trouver un certain intérêt. Bon, il y a déjà une désaffection pour ces métiers depuis de longues années. C'est quand même des métiers qui sont très engageants, avec des horaires très atypiques. Et bien évidemment que le Covid n'a fait qu'accélérer ce manque d'appétence pour ces métiers avec des horaires atypiques, comme je le disais, et qui demandent donc une conciliation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle importante. Et puis, il y avait aussi un problème de la rémunération de ces agents de sécurité. Ça fait partie d'ailleurs des éléments qui ont été travaillés en vue justement de l'objectif des Jeux Olympiques, puisque je crois que c'est au 1er janvier, oui, c'est au 1er janvier 2023 que la convention collective donc, a été rediscutée et que des augmentations de salaire ont vu le jour. Donc voilà, donc on a un contexte, et c'est le contexte général sur ces métiers dits en tension qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas au rendez-vous donc de ces ressources humaines. Après, il y a des entreprises qui aujourd'hui n'ont toujours pas répondu aux appels d'offres. Et alors, une partie de l'explication, ce sont aussi ces entreprises qui ont des marchés pérennes, récurrents, et qui ne veulent pas aujourd'hui délaisser leur clientèle habituelle pour aller sur un événement one shot au moment des Jeux Olympiques. Donc il y a aussi cette difficulté-là. Et là, pour le coup, qu'on peut comprendre de la part des entreprises. Donc voilà, donc c'est un sujet bien identifié, c'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille. Mais on est bien évidemment, encore une fois, un peu inquiet sur le résultat. Mais il faudra relever le défi de sécurité. Et l'État devra trouver les moyens de sécuriser tous les lieux de compétition, au-delà, bien évidemment, de ce qui lui incombe de prime abord, c'est-à-dire les lieux de transport et l'espace public. Monsieur Minot, justement, sur le sujet sécurité, vous nous demandiez quels avaient été nos interlocuteurs. Donc nous, on a auditionné le CNAPS, le délégué ministériel, à la stratégie et à la sécurité, la Fédération française de la sécurité privée, le GES, Monsieur Coury. En lien un peu avec les sujets de sécurité, on a aussi auditionné les responsables du tribunal de Bobigny. Et puis Michel Cadeau, donc à trois reprises, a été auditionné par nos soins. Et à chaque fois, bien évidemment, on est revenu sur le sujet de la sécurité. Monsieur Minot, sur la baignabilité de la Seine. Donc ça, c'est un des enjeux en termes d'héritage importants. L'objectif, c'est de rendre donc la Seine praticable pour les nageurs et pour ceux qui aiment dès 2025. Des moyens importants sont mobilisés, c'est je crois 1,4 milliard d'euros pour arriver à cet objectif. Et les dernières analyses qui ont été réalisées au mois de juillet et août 2022 sont plutôt encourageantes, puisque 91% des mesures quotidiennes de la qualité de l'eau étaient bonnes. Donc voilà, donc on est sur une bonne trajectoire, et l'objectif en termes d'héritage d'avoir une Seine mise à la disposition du public pour les baignades est en passe d'être relevé. Tu veux dire quelques mots et puis après j'essaierai de reprendre sur un certain nombre de sujets. Voilà, bon, on va continuer notre alternance. Moi, je voudrais réagir. Bon, d'abord, remercier parce qu'il semble se dégager quand même au moins une certaine unanimité ici dans cette commission sur la question de la place que doit reprendre l'éducation physique et sportive comme une matière pédagogique à part entière. Donc je passe plusieurs intervenants, Soumia, Fatia, mais aussi beaucoup d'autres ont évoqué ce sujet. Et donc je pense que ça peut être une proposition extrêmement forte qu'on aborde la question du sport scolaire d'une manière totalement différente que ce qu'on le fait aujourd'hui, en renforçant toutes les structures d'appui que sont l'UCEP, l'UNSS, etc. Dire un mot
également sur ce qu'a dit Belkhir sur comment on met à profit et on conserve l'héritage d'un certain nombre de structures qui nous ont permis de réaliser les Jeux, si j'ai bien compris. Il va y avoir une loi prochainement qui va venir en discussion, notamment pour étendre les missions de la Société du Grand Paris sur les infrastructures de transport, notamment pour mettre en œuvre le plan sur les RER régionaux. Donc ça, c'est une piste intéressante. Et moi, je pense, ça, je donne un avis, ce n'est pas dans le rapport, mais je réponds à la question de Belkhir. Je pense qu'une structure comme la SOIDEO, parce que quand même, on décrit souvent la puissance publique et l'intervention publique, mais enfin, la SOIDEO qui a été au rendez-vous du point de vue calendaire de tous les chantiers, c'est un équipement, c'est une structure publique animée par des aménageurs publics et des gens qui ont fait toute leur carrière, à commencer par le directeur général, M. Ferrand, dans l'aménagement public. On voit bien la force et la rigueur qui a été celle de la SOIDEO pour à la fois respecter les délais et respecter le cahier des charges. Ensuite, deux mots quand même, enfin plus que deux mots, mais rapidement sur ce que disait mon collègue Jérôme Le Gaffe sur les infrastructures, les logements, leur équilibre, leur capacité à répondre aux besoins des habitants du département. Je pense qu'on n'a pas de mal à converger sur ce que nous préconisons sur le sujet, mais je voudrais dire, non pas pour exonérer le comité d'organisation des Jeux Olympiques et de la SOIDEO, mais quand même un peu, c'est que toute la programmation du village des médias comme du village olympique s'est faite sur la base des plans locaux d'urbanisme et des préconisations des plans locaux de l'habitat. Donc, par exemple, si je prends le village olympique, qui est à cheval sur trois villes, Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis, eh ben, les programmes locaux de l'habitat et les programmes locaux de l'urbanisme n'étant pas tout à fait les mêmes, parce qu'il n'y a pas forcément tout à fait les mêmes ambitions politiques d'une ville à l'autre, eh ben, les réalisations et la transformation du village olympique en logement se fera pas en proportion de logements sociaux, en proportion de logements dédiés, en contrôle des prix à la vente des logements, tout à fait de la même manière au sein même du village olympique, selon qu'il se situe sur l'une des trois communes, puisque c'est les documents d'urbanisme et des préconisations en matière d'habitat de chacune des villes qui a présidé à la réalisation du village olympique, mais c'est valable pour le village des médias. Donc j'ai envie de dire, quand la programmation ne va pas, quand la programmation post-olympique ne convient pas, c'est à chacun des maires qu'il faut demander les comptes, si, pour faire simple. Ensuite, alors, dès le pré-rapport en février, on avait attiré l'attention sur un certain nombre d'accidents du travail, et notamment sur la question des sans-papiers. Bon, d'abord, les Jeux Olympiques, on est passé vite là dans le rapport, mais on l'avait dit en février, pour la première fois dans l'organisation des Jeux Olympiques, les partenaires sociaux sont autour de la table et du comité d'organisation et de la SOIDEO. Monsieur le MEDEF y est représenté et les syndicats de salariés sont représentés par l'intermédiaire de Bernard Thibault. Il y a une charte sociale qui a été rédigée. Il y a près de 300 000 euros qui ont été consacrés par la SOIDEO pour qu'il y ait une permanence syndicale quotidienne sur le chantier même des Jeux Olympiques. C'est ce qui a permis, d'ailleurs, que plus de 100 salariés sans papier aient été régularisés, ce qui n'est pas toujours le cas, et que si on écoute les syndicats du bâtiment, le fait qu'il y ait eu trois fois plus d'inspections du travail, avec un corps d'inspecteurs du travail dédié au chantier des Jeux Olympiques, nous le considérons, et avec Bernard Thibault, avec lequel nous avons beaucoup discuté, nous le considérons comme un acquis, justement, de la place des syndicats dans l'organisation même des chantiers et de l'organisation des Jeux. Ce qui fait que le nombre d'accidents du travail sur les chantiers des Jeux Olympiques, quand il y en a un, c'est déjà un de trop, mais selon les syndicats du bâtiment, et notamment le syndicat majoritaire qui est la CGT du bâtiment, ils sont beaucoup plus faibles que la moyenne des chantiers du bâtiment, notamment grâce
à la présence permanente des syndicats sur le site et à au nombre de visites de l'inspection du travail multiplié par 3. La remarque que l'on fait, et il y a une question qui a été posée là-dessus, là où on aurait pu, nous semble-t-il, être encore plus efficace, c'est que certes, on est soumis, enfin la Solideo et le COJO sont soumis au code des marchés publics, mais, et ils l'ont admis eux-mêmes, le code des marchés publics n'interdit pas, dans les clauses, de limiter le niveau de sous-traitance. Et ça n'a pas été fait. Et forcément, on sait que plus il y a de sous-traitance, plus il y a de niveau de sous-traitance, plus les conditions de travail, plus le recours à une main-d'œuvre non régulière est forte. Et donc, c'est sans doute, et on le dit dans le rapport, un point faible qu'il faut avoir à l'esprit. Et ce, d'autant que la sous-traitance n'a pas été limitée dans le nombre de niveaux et en plus a quand même relativement peu bénéficié aux TPE-PME du bassin d'emploi. C'est-à-dire que grosso modo, 14% de la sous-traitance a bénéficié à des TPE-PME. Sur les 14%, 9% à des TPE-PME indépendantes et 5% à des TPE-PME qui, entre guillemets, n'ont que le nom puisque ce sont des filiales de majors du bâtiment. Donc, c'est un point que nous mettons en avant. Le recours à la sous-traitance aurait dû être limité tout en respectant le code des marchés publics. Un autre thème qui a été abordé par M. Esquinet, M. Lenormand également, sur la capacité que les JO, que l'événement des JO et des JOP vont pouvoir irriguer jusqu'aux Outre-mer et dans les territoires ruraux. Et notamment, si tous les acteurs du tourisme vont pouvoir avoir des retombées où ils se trouvent. Stéphane Peu l'a dit dans sa présentation tout à l'heure, c'est vrai que ça, c'était un point d'alerte au mois de février sur le fait qu'aujourd'hui, tous les acteurs du tourisme se sentaient un petit peu hors discussion, hors réflexion. Et là, on a noté quand même que depuis lors, Olivier Grégoire, qui est en charge du tourisme, donc, avait réuni les acteurs, les avait associés à la réflexion. Et je crois qu'il leur appartient aujourd'hui, effectivement, de profiter de ces touristes internationaux qui vont venir à Paris, en Ile-de-France, pour leur donner envie d'aller voir ce qui se passe sur nos territoires. Donc là, il y a des formules de séjour qu'il faut que les entreprises du tourisme puisse proposer, offrir à ces nombreux visiteurs. Parce que, par définition, ceux qui vont venir des quatre coins du monde, ils vont venir pour voir la compétition un jour, deux jours, mais ils ont quand même vocation à rester plusieurs jours sur le territoire national, donc qu'ils puissent donc se répandre sur l'ensemble du territoire national, ce serait bien évidemment une bonne chose. J'en profite d'ailleurs pour dire que beaucoup de nos territoires sont labellisés terres de jeu, les départements, les communes. Mais ce n'est pas parce qu'on est labellisé terre de jeu qu'il va se passer quelque chose sur nos territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de descendant. Terre de jeu, ça permet d'accéder à un certain nombre de dispositifs, de moyens qui sont mis à disposition donc, des territoires. Mais il faut que les territoires s'approprient le label et aillent voir dans la boîte à outils ce qu'il aurait permis de faire ou pas faire sur leur territoire. Donc ça, il faut vraiment le dire à vos interlocuteurs, aux élus. Il faut pas attendre que ça descende, ça ne descendra pas. Il faut vraiment qu'eux aillent chercher les dispositifs. Il y en a, je pense moi, aux fan zones qu'on peut mobiliser au moment des Jeux Olympiques pour animer la place du village ou le stade de la ville. Sur les Outre-mer, alors, ils vont être visités par la flamme. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Il y a une épreuve qui se déroule donc en Outre-mer. Ce sont les épreuves de surf en Polynésie. Voilà. Et après, donc, la mobilisation des Outre-mer, elle se fait comme les territoires ruraux, avec ses labels et les dispositifs qu'ils peuvent mettre à la disposition de la population, des associations, des élus locaux pour animer leur territoire.
Sur le sport scolaire, c'est madame notamment Keloua Hachi qui m'a interrogé là-dessus, qui nous a interrogé là-dessus. Vous l'avez vu dans la présentation, il y a beaucoup de préconisations pour justement qu'on puisse accompagner le sport scolaire. Les chiffres, c'est 1,1 million de licenciés UNSS et 700 000 licenciés UCEP. Il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Et vous avez vu les préconisations que l'on fait sur l'UCEP en termes de moyens à mettre à la disposition, donc notamment des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça repose essentiellement sur le bon vouloir, un peu l'acte militant du professeur des écoles. Donc il faut plus de moyens, il faut les accompagner. Et il y a vraiment quelque chose là à aller chercher pour améliorer la pratique sportive de nos enfants. On a préconisé, nous, notamment que les licences UNSS passeport puissent être éligibles au passeport. Ce qui serait effectivement une bonne chose. Je crois que vous l'aviez effectivement sollicité dans le cadre de votre rapport pour avis, Madame Roux. Donc on reprend cette proposition. Ce que l'on dit aussi, c'est pourquoi pas porter, au moins à titre expérimental dans un premier temps, l'idée de la double licence. J'ai une licence UNSS, elle me permet également d'avoir une activité dans un club de la ville ou de mon village affilié. Voilà, donc ça pourrait être aussi intéressant avec le passeport qui permettrait donc de financer tout ça derrière. Donc voilà, ça ce sont des pistes qui permettraient donc à des enfants, par l'école, de rentrer dans une pratique sportive et de la continuer donc en dehors de l'école et d'avoir donc cet habitus que nous appelons de nos voeux. Un dernier mot là. Il y a eu, je suis désolé, je ne me souviens plus, qui a parlé de la question de la mixité dans les jeux. Ah, excusez-moi. Pardon. Mais bon, d'abord, Soumia Bourrois et moi-même, on a beaucoup épaulé Marie-Georges Buffet récemment, pour extraire et accueillir ici, ça a été long et difficile, l'équipe féminine de handball d'Afghanistan. Ils sont aujourd'hui en France, elles sont hébergées, c'est nous qui nous... Enfin, nous, beaucoup, Marie-Georges Buffet, son association, Soumia et moi, qui avons beaucoup aidé à faire qu'ils arrivent en France, après avoir été retenus... cette réfugiée dans un autre pays. Elles sont aujourd'hui ici, elles s'entraînent. Nous considérons que, quel que soit l'avis du Comité international olympique, la France doit peser de tout son poids au sein du Comité d'organisation des Jeux olympiques et à travers sa diplomatie pour qu'il ne puisse pas être admis aux Jeux olympiques 2024 en France des équipes qui seraient non mixtes. Que ce soit un principe intangible. Bien sûr, on nous dit que c'est le Comité international olympique qui a la main sur l'organisation de la manifestation, ses critères, ses règles. Bon, n'empêche que les Jeux ont lieu en France et qu'on a des choses à dire et qu'il faut le dire suffisamment tôt et peser suffisamment fort pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je n'ai pas répondu à une question qui était posée et qui m'est chère sur la question du tribunal de Bobigny. Bien sûr, on ne peut pas avoir une politique zéro délinquance avec ce que ça veut dire de déferment devant les tribunaux en plus de la moyenne, sans qu'on donne les moyens au tribunal de Bobigny, parce que c'est le tribunal le plus concerné et le plus affaibli du point de vue de ses moyens, des moyens supplémentaires, notamment pour avoir des chambres de comparution supplémentaires et avoir le nombre de magistrats supplémentaires. Aujourd'hui, il y a 57 magistrats au parquet, enfin 57 postes, 56 magistrats, et le procureur de la République estime aujourd'hui à 65 le nombre de magistrats au parquet pour assumer un standard minimum de justice dans la période. Et je crois qu'il faut entendre son message et que le ministère lui affecte au tribunal de Bobigny très rapidement, même si c'est de manière exceptionnelle, des moyens supplémentaires. C'est la résolution. Stéphane me dit, c'est une des résolutions, une des propositions, la 21.
21 propositions, ce n'est pas les 21 conditions, mais c'est la 21e proposition. Voilà. Merci, monsieur les co-rapporteurs, pour cette partie de réponse, ces parties de réponse. Et nous allons continuer la liste des questions avec Bertrand Sor. Merci, madame la présidente. Messieurs les rapporteurs, à mon tour, je tenais à vous féliciter et à vous remercier pour votre présentation de qualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre rapport très complet sur les attentes des retombées des JOP. Messieurs, vous soulignez dans votre rapport que le renforcement des pratiques sportives à l'école était une ardente obligation et que l'école reste un lieu privilégié pour développer le goût et l'envie du sport. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec le COJOP, a mis en place 30 minutes d'activité physique quotidienne, les APQ, et 2 heures supplémentaires d'activité physique au collège. Vous avez déjà évoqué le sujet. Vous écrivez notamment que l'APQ doit être vue comme une activité à part entière et que les 2 heures de sport supplémentaires au collège doivent être sanctuarisées. Or, vous relevez également des difficultés d'application de ces 2 dispositifs. Aussi, pouvez-vous nous faire un premier bilan de ces dispositifs, vous l'avez bien sûr déjà évoqué, et nous faire savoir comment les établissements scolaires se sont emparés de ces mesures selon les territoires. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Sophie Blanc. Non, député. Oh là 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 là. Bertrand Sor n'est jamais député. Non, mais c'est vrai que... au moins, je vois que vous êtes extrêmement attentif à tout. Ça fait plaisir. Madame Sophie Blanc. Merci, madame la présidente. Messieurs les rapporteurs, à l'heure où le sport s'apprête à être déclaré grande cause nationale de l'année 2024, la pratique sportive étudiante, bien que dynamique, semble inégale et hétérogène. Vous indiquez très précisément, en page 140 de votre rapport, dans 2 figures, que depuis le Covid, 50% des étudiants ont baissé la durée de leur pratique sportive. Un visuel décrit d'ailleurs les heures de sport abandonnées, directement investies dans l'augmentation du temps passé devant les écrans. Alors, quel sera selon vous l'effet jeu sur cet arbitrage de nos étudiants en faveur des écrans au détriment du sport? Et au-delà des mesures que vous préconisez, n'allons-nous pas assister à un effet bulle de l'attraction de la pratique sportive auprès des étudiants? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Carl Olive. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, chers Stéphane et Stéphane, faire nation par le sport, c'est le titre du rapport que j'ai remis il y a 1 an et demi. Le sport, formidable tremplin pour de nombreux enfants de la République et notamment dans les quartiers les plus difficiles. Il permet de gommer les différences sociales et c'est un formidable outil pour se rencontrer. Le département des Yvelines, par exemple, valorise l'association La Lucarne où le sport est attiré par des jeunes. Je les avais rencontrés à l'époque à Évry, attirés sur un même lieu, ces jeunes, ces familles, ces entreprises, ces acteurs sociaux. Et à Poissy, ce simple événement autour d'une fenêtre, doublé d'un forum pour l'emploi et de l'insertion, avait réuni 1500 personnes et une vingtaine de recrutements à la clé. Prochaine édition, saison 2, le 13 juillet. Les Jeux Olympiques, Paralympiques se doivent eux aussi d'être ce formidable catalyseur pour l'emploi et l'insertion. Stéphane Peu, comme Stéphane Mazard l'ont rappelé tout à l'heure. Au-delà des bénéfices durables en matière d'aménagement urbain que vous évoquez, et notamment en Seine-Saint-Denis, comment ces Jeux permettront à nos jeunes de s'émanciper par le sport, par le travail? Comment ces Jeux s'inscriront en termes économiques et d'emploi dans nos quartiers? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Rodrigo Arenas. Merci, madame la présidente. Merci pour ce rapport qui a le mérite d'éclairer beaucoup les débats et d'objectiver un certain nombre de choses contre les idées reçues. Mais tout de même, collègue Jérôme Légard va poser quelques questions sur le logement qui méritent peut-être qu'on s'y attarde et m'invite à modifier mon intervention. En fait, je voudrais que vous nous éclairiez, si possible, sur les pratiques de la délégation interministérielle des Jeux Olympiques pour faire face à la pénurie de logements afin d'accueillir les agents de sécurité, les soignants ou encore tous les volontaires lors de cet événement international. On le sait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais aussi les étudiants qui s'en sont emparés, ont déjà été très agités lorsqu'on a parlé des réquisitions de résidences étudiantes et des internats, lorsqu'il a été question de demander à près de 3000 étudiants de quitter leur logement en préalable pour le temps des Jeux. Donc je vous pose donc clairement la question de cette façon-là, si vous avez évidemment les éléments pour répondre. Les locataires des logements sociaux seront-ils invités à céder leur logement, comme ça a l'air d'être le cas le temps des JO? Et les bailleurs sociaux ont-ils reçu pour consigne de réserver des logements pour les Jeux Olympiques et de les laisser ainsi en attente d'attribution? Ce qui, vous en conviendrez, aurait de fait un impact direct à la fois sur l'économie des quartiers concernés, sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Merci. En sachant que la ville de Saint-Denis, et je finis là-dessus, madame la présidente, a bien montré que la théorie
théorie du ruissellement est assez limitée quand on s'occupe des logements sans changer la vie des gens. On n'a pas l'effet escompté sur le long terme. Merci de votre tolérance, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Emmanuel Antoine. Il y arrivera. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, je souhaiterais revenir sur les retombées économiques des jeux dans les territoires. Vous avez évoqué le fait que sur les 663 millions d'euros de marché attribués à des PME-TPE, 103 millions d'euros ont été attribués à des TPE et PME implantés en Seine-Saint-Denis, soit 15,5% des marchés octroyés à des PME-TPE. Et si l'on prend en compte l'ensemble des PME-TPE installés en Île-de-France, le pourcentage atteint 65%. Ces chiffres démontrent des retombées économiques locales importantes, mais elles bénéficient avant tout à l'Île-de-France, région déjà la plus dynamique économiquement de notre pays. Ces Jeux olympiques et paralympiques seront toutefois une réussite pour le pays s'ils irriguent l'ensemble de notre territoire national, et il serait dommage qu'ils bénéficient avant tout à l'économie francilienne, accroissant encore les déséquilibres entre les territoires. Alors aussi, quelles retombées économiques peut-on envisager pour les autres régions françaises et en particulier nos territoires ruraux? Merci, Madame la députée. Lisette Pollet. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, un grand merci pour votre rapport d'information qui permet d'avoir un aperçu clair des retombées des JOP. Vous soulevez deux problématiques importantes, le transport et la sécurité. Je me pencherai sur ce deuxième enjeu. Les forces de sécurité intérieure vont devoir relever un défi capacitaire. Vous estimez en effet qu'entre 20 000 et 30 000 agents seront nécessaires chaque jour pour assurer la sécurité des sites, un volume d'effectifs qui ne sera vraisemblablement pas atteint. Aujourd'hui, ce secteur souffre d'une impopularité croissante et des difficultés de recrutement sont à prévoir. Et pourtant, un équilibre doit être assuré entre les missions de sécurité liées aux Jeux olympiques et le maintien de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Un plan B est-il prévu pour relever ce défi si le recrutement ne se fait pas à temps? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Paul Vanier. Merci, Madame la Présidente. Merci, Messieurs les rapporteurs. Votre rapport rappelle la volonté affichée d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans des conditions sociales, je cite, exemplaires. Leur préparation conduit pourtant déjà à fragiliser les populations les plus vulnérables d'Île-de-France. En mars dernier, le ministre de la Ville et du Logement, vous l'avez évoqué, demandait au préfet de région de créer des sas d'accueil temporaires régionaux pour y déplacer et accueillir les personnes sans-abri de la région. Depuis, des centaines de sans-abri sont chaque mois évacués d'hôtels sociaux. Cette politique s'apparente à une stratégie d'éviction des personnes sans domicile destinée à les faire disparaître des rues de Paris à l'approche des Jeux olympiques. Elle encourage certaines municipalités à fermer des structures d'accueil. Dans ma circonscription, le maire d'Argenteuil a ainsi brutalement annoncé la fermeture du centre d'hébergement d'urgence de la ville cet été, avec toutes les conséquences dramatiques pour la centaine de personnes accueillies en termes d'accès et de maintien dans l'emploi ou d'état sanitaire. Messieurs les rapporteurs, comment évaluez-vous les conséquences des Jeux olympiques pour les personnes sans-abri d'Île-de-France à court et à moyen terme, c'est-à-dire au-delà des épreuves sportives organisées l'année prochaine dans notre pays? Merci, Monsieur le député. Francis Dubois. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, vous mentionnez dans votre rapport un manque flagrant d'installations sportives de proximité. Pourtant, un engagement sans faille des collectivités territoriales permet de faire bénéficier aux élèves d'installations sportives de qualité. 70% de ces installations appartiennent au bloc communal. Leur contribution est estimée à 12,5 milliards, soit le double du budget de l'État consacré au sport. En milieu rural, notamment en Corrèze, nous constatons un manque flagrant d'installations sportives de proximité. Ce fait limite, voire empêche, l'enseignement et la pratique de certaines disciplines sportives. L'enveloppe budgétaire de l'État du plan de 5 000 équipements sportifs de proximité s'élève à 109 millions d'euros pour 2023, alors que les 2 380 dossiers déposés par les collectivités territoriales représentent 398 millions d'euros. Le plan s'avère très sous-dimensionné. Proposez-vous de dimensionner ce plan des équipements sportifs pour qu'ils puissent bénéficier davantage aux communes rurales, une augmentation des DETR, une augmentation des dotations de soutien aux investissements locaux, une augmentation des fonds verts pour la rénovation dans le cadre de la transition énergétique. Il est primordial que les communes rurales sous-dotées en équipements sportifs puissent bénéficier de ce plan. Merci. Merci, Monsieur le député. Bénédicte Ozanneau.
Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ma question porte sur vos recommandations de la rubrique tourisme et en particulier sur les locations meublées de tourisme. Vous mettez en exergue dans votre rapport le manque d'hébergements touristiques, notamment en Île-de-France, ce qui ne surprend personne. Au détour de ce constat, vous faites des recommandations qui sont, j'en suis sûre, destinées à augmenter les places d'hébergement, rendre obligatoire l'enregistrement de tous les meublés de tourisme, abaisser le nombre de jours de location autorisés et les assujettir à la TVA. Comme vous l'avez souligné en introduction, monsieur le rapporteur Peu. Si je traduis, ce sera en réalité restriction du droit de disposer de son bien, contrainte supplémentaire alors que les Français crèvent des réglementations pléthoriques, augmentation de l'impôt, alors que nous sommes déjà les plus imposés de l'OCDE. Par quel miracle pensez-vous aller créer de l'hébergement touristique supplémentaire en restreignant la liberté des propriétaires et en augmentant leurs impôts ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Léo Valter. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues rapporteurs, dans l'évaluation des retombées économiques et sociales des Jeux pour la France, ce sur quoi je souhaite à nouveau vous interroger peut sembler une goutte d'eau. Mais pour les territoires comme le mien, qui n'accueillent aucune épreuve olympique, ce sera le seul impact concret et direct des Jeux olympiques et paralympiques. Le 15 février dernier, lors de votre point d'étape, je vous avais en effet alerté sur le coût du relais de la flamme olympique. Pour rappel, il s'élève pour les départements qui l'accueillent à 180 000 euros la journée, sans compter les dépenses engagées par les villes étapes, sans compter non plus, comme le notait la Cour des comptes, le coût de la sécurité, dont la répartition du financement entre les pouvoirs publics et l'organisateur n'est pas claire. Sauf erreur de ma part, votre rapport ne mentionne le relais de la flamme qu'une fois, à la page 80, et c'est justement pour s'inquiéter de la sécurisation de son parcours. Mes questions sont donc les suivantes. Le coût réel pour les deniers publics et la répartition des dépenses de sécurité avec l'opérateur privé sont-ils aujourd'hui établis ? Et encore une fois, quelle retombée économique, quel héritage matériel et immatériel du relais de la flamme ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur les co-rapporteurs. Oui ? Ben oui, mais vous n'étiez pas inscrit, chers collègues, mais je vais vous donner la parole bien volontiers. Donc Estelle Follest et ensuite Emmanuel Pellerin. Oui, moi c'est une question très rapide en effet qui recoupe celle que vient de poser notre collègue Léo Valter sur le passage de la flamme puisqu'on vient d'avoir le tracé un peu officiel. Mon département est dans le même cas que le sien, c'est-à-dire qu'il aura effectivement le passage de flamme sans accueillir d'épreuves, même si on a des entraînements également chez nous. Je me demandais, pour essayer d'être constructive, si vous avez, lors de vos auditions, entendu des bonnes pratiques qui permettraient de valoriser justement ce passage de flamme, étant entendu que moi aussi, je trouve que c'est quand même une dépense conséquente avec des enjeux de sécurité que je ne néglige pas et que donc j'aimerais que le territoire puisse en bénéficier voilà, à son juste niveau. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Emmanuel Pellerin. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, je salue vivement la qualité de vos travaux qui nous donnent une idée précise des retombées des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le tissu économique et associatif local. Comme vous l'avez souligné dans votre rapport, l'effort financier consenti par l'État, 11 millions d'euros, et les collectivités territoriales pour offrir 1 million de billets à des Français de conditions modestes, était indispensable. Alors que près de 10 millions de billets sont en vente, les prix affichés restent cependant très élevés. 80% des billets sont à plus de 24 euros. À titre d'illustration, selon le site officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une place de finale d'athlétisme coûte entre 125 et 980 euros. Dans ces conditions, il est difficile d'expliquer et de faire accepter de tels prix aux Français. Ma question est la suivante. Comment le comité d'organisation compte-t-il promouvoir la vente de billets auprès des populations défavorisées et des associations à but non lucratif ? Merci infiniment. Merci, monsieur le député. Monsieur le co-président du groupe de travail. On vous perdra. Merci, madame la présidente. Non, j'ai juste une question, puisque le groupe de travail effectue de nombreux déplacements. Et lors d'un de nos déplacements au village olympique, nous avions constaté qu'un établissement scolaire, un collège notamment, se trouve dans l'enclave du village olympique, ce qui entraînera bien évidemment la fermeture avant l'arrivée des Jeux Olympiques et de la préparation, en tout cas des Jeux Olympiques, et ne réouvrira qu'après la fin des Jeux Paralympiques. Alors, est-ce que vous avez pu étudier ce sujet ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
si ce sujet a été anticipé afin que les élèves puissent avoir un établissement scolaire pour la fin d'année, pour le brevet et bien évidemment pour la rentrée scolaire 2024-2025. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Monsieur l'éco-rapporteur, c'est à vous pour la réponse. Pour les réponses. Bon, je démarre en vrac. On se répartit les... En vrac, pas. En vrac, oui. En vrac, peut-être pas. Non, nous, on est en forme, mais nos réponses sont en vrac. Bon, je commence par la dernière question. Normalement, c'est un sujet, bien sûr. Normalement, la rentrée scolaire dans ce collège devrait pouvoir être un peu décalée et cohabiter. Il ne devrait pas y avoir de conséquences. Enfin, en tout cas, la piste recherchée, c'est de pouvoir faire cohabiter une rentrée scolaire peu décalée avec, la tenue des Jeux paralympiques, puisque... La ville, le département, le rectorat, y travaillent. Peut-être qu'au final, ce sera une autre solution, mais pour l'instant, la solution, voilà, la solution privilégiée est celle-là. Moi, je voudrais revenir en deux mots sur la question du logement étudiant qui a été posée à plusieurs reprises. Pour l'instant, bon, on a eu des auditions sur le sujet. Bon, effectivement, il y a une recherche auprès du CROUS de 3 000 chambres pour pouvoir héberger des salariés ou des bénévoles pendant les Jeux. Bon, la préconisation qu'on a faite et les garanties qu'on nous a données, j'ai été vérifié, moi, à Saint-Denis, parce qu'on était directement concernés, c'est quand même de le faire avec des mises à disposition qui ont déjà existé dans le passé. C'est-à-dire que souvent, quand même, la plupart des résidences étudiantes, puisque ce ne sont pas des beaux... à durée indéterminée, c'est ce qu'on appelle mince, le nom m'échappe. Enfin, ce n'est pas un bail, c'est un contrat de location. Donc souvent, il y a quand même beaucoup de résidences qui sont vides ou quasiment vides pendant l'été. Et donc là, il s'agit de les mobiliser pendant une période où il n'y a pas d'activité universitaire, mais sans obliger... des étudiants qui resteraient dans leur résidence l'été à déménager, ou alors en leur proposant à proximité des hébergements équivalents du point de vue du prix et du point de vue de la localisation. Enfin, en tout cas, il y a cette recherche de mobiliser 3 000 chambres étudiantes pour loger des personnels liés au jeu sans être sans que ce soit sans que c'est de conséquences sur les étudiants. Après, sur les hébergements d'urgence, la question que posait entre autres beaucoup d'entre vous et Paul Vanier en particulier, il y a deux sujets. Moi, enfin, il y a une loi qui est passée et une volonté du gouvernement que tout ce qui est hébergement de demandeurs d'asile dans la région parisienne puissent être répartis sur le territoire national, et ça c'est indépendant des Jeux Olympiques, c'est la résidence à Saint-Brévin pour prendre et d'autres en France. Bon, ça, j'ai envie de dire, Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques, c'est une décision que je crois, enfin pour ma part, je salue plutôt que d'essayer de répartir sur le territoire national et puis d'avoir des conditions d'hébergement qui soient plus dignes que ce que la seule région Île-de-France est en capacité d'accueillir. Après, mon attention a été attirée par un certain nombre de préfets à l'égalité des chances, par des associations qui s'occupent de l'hébergement d'urgence, sur des fermetures d'hébergement d'urgence, mais qui sont sans lien avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que là, il y a une réduction de l'offre d'hébergement d'urgence, non pas pour substituer des hébergements d'urgence à de l'accueil pendant les Jeux Olympiques, mais qui sont des restrictions budgétaires sur le financement de l'hébergement d'urgence. Donc ça, c'est un point d'inquiétude. Moi, je tiens à votre disposition une question écrite que j'ai rédigée il y a très peu de temps au ministre du Logement sur le sujet, inspirée par ce que m'ont rapporté un certain nombre d'associations, mais aussi d'agents de l'État. Donc là, il y a une inquiétude, mais qui est plus une inquiétude, de mon point de vue budgétaire, qu'une inquiétude liée aux Jeux Olympiques. Puis après, on a un troisième volet où là on attire l'attention dans notre rapport, c'est que vous avez toute une série d'hôteliers
qui, pour des raisons X ou Y que je ne vais pas commenter ici, ont signé, plutôt que d'avoir une activité hôtelière classique, ont signé des contrats, par exemple, avec le SAMU social, qui réservaient à l'année leur hôtel. Et donc, il n'y avait plus d'activité hôtelière, puisque c'est le SAMU social qui faisait, en gros, un chèque de location de l'ensemble des chambres pour toute l'année et tous les jours de l'année. Qui, aujourd'hui, veulent reprendre la main sur leur hôtel, casser les baux, enfin, les contrats, ce n'est pas des baux, casser les contrats avec, par exemple, le SAMU social ou d'autres associations, pour pouvoir retrouver une activité hôtelière classique pendant les Jeux Olympiques. Et là, ça pose un problème parce que ça fait baisser, et en lien direct avec les Jeux Olympiques, ça fait baisser considérablement le nombre d'hébergements d'urgence. Donc là, il faut là aussi avoir la mesure et ne pas forcément accepter tous ces va-et-vient entre les différents statuts de l'hôtellerie. On ne peut pas bénéficier du SAMU social pendant des années et puis au moment des Jeux se retirer du contrat avec les SAMU social pour ensuite y revenir les Jeux passés. Enfin, il y a quand même un peu de moralité à mettre dans cette affaire. Ensuite, sur ce que disait Rodrigo Arenas, il n'y a pas de risque sur les logements sociaux. Hein. Les logements sociaux, c'est des baux qui ne sont pas du tout rétractables par le bailleur. C'est même par rapport aux baux du privé, c'est des baux à durée indéterminée. Donc il n'y a pas de possibilité juridique pour un bailleur social de mettre un terme au bail qui le lie avec tel ou tel locataire pour mettre le logement à d'autres fins. Enfin, non, sur ce plan, il n'y a pas de risque. On est protégé. Après, sur la question de la place du sport. Alors, sur la question de Carl Olive, bon, moi je pense quand même, Stéphane Mazard le disait tout à l'heure, on considère que l'engouement populaire pour les Jeux n'est pas encore au top. Enfin, voilà, c'est pas encore au rendez-vous. On peut, il y a aussi un lien, on ne va pas se mentir ici, il y a aussi un lien entre le climat du pays, le climat social dans le pays, indépendamment de ce qu'on peut en penser les uns les autres, et puis les Jeux. Le fait que, par exemple, les sondages sur l'acceptabilité des Jeux et l'enthousiasme pour les Jeux d'il y a un an étaient plus importants il y a un an qu'ils le sont aujourd'hui, sont plutôt une source quand même d'inquiétude sur laquelle il faut qu'on fasse attention. C'est la raison pour laquelle tout le plan des bénévoles, tout le plan de formation sur la sécurité privée avec en trois semaines, toutes les offres que vont pouvoir faire les Jeux Olympiques en matière d'emploi, tout ça doit nous permettre aussi d'embarquer davantage la population. On attire l'attention dans le rapport sur deux choses qui nous semblent faibles. Nous, on considère que l'éducation nationale, ce n'est pas vrai partout, bien sûr, on a toujours des contre-exemples, mais globalement, l'éducation nationale n'a pas fait des Jeux Olympiques un vecteur pédagogique qui permette de faire à travers les Jeux. Moi, je l'avais vécu pendant la Coupe du Monde de foot où il y avait eu des kits pédagogiques pour faire de la géographie et de l'histoire et, enfin bref, de toute une série de matières à travers un événement comme ça qui était palpable. Là, pour le coup, ce n'est pas tout à fait le cas sur les Jeux Olympiques. J'espère que ça le sera à la rentrée parce qu'on sait que quand un pays, on l'embarque aussi à travers la façon dont les enfants et les jeunes s'emparent du sujet et mobilisent aussi leurs parents. Donc, il y a un retard du côté de l'éducation nationale pour que dans les enseignements de l'année 2023-2024, il y ait à travers les Jeux toute une série d'axes pédagogiques qui permettent d'embarquer les jeunes. Après, le sport, et je finis juste par là, bon là c'est plus peut-être une note personnelle, encore que on a eu deux lois olympiques, on en a eu une en 2018 et puis une là il y a quelques mois. Ces deux lois olympiques qui nous permettaient de nous mettre en règle, entre guillemets, pour bien organiser les Jeux. La première, c'était beaucoup sur les questions d'urbanisme. La deuxième, sur les questions de sécurité. Dès 2018, on avait posé la question, oui, mais il faut quand même une grande loi d'orientation sur le sport. Au moment où la France va accueillir les Jeux Olympiques, au moment où l'année 2024 va être l'année du sport, enfin, où le sport grande cause nationale. Bon,
aujourd'hui, notre pays n'a pas sa grande loi d'orientation sur le sport. Elle a eu deux lois olympiques, mais deux lois olympiques qui parlaient peu de sport. Il y a la loi démocratiser le sport, mais il n'y a pas de loi, on voit bien à travers. Le gouvernement a dit qu'il allait le faire, parce que 2018, il a été répondu qu'il y aurait une grande loi d'orientation sur le sport. Pour l'instant, c'est ce qui a été dit en 2018 n'est pour l'instant pas aujourd'hui effectif. Donc la ministre qui a été interrogée nous a dit qu'il y en aurait une. Bon, ça peut intervenir après les Jeux, c'est pas, mais il faut que dans notre pays, il y ait une grande loi d'orientation sur le sport qui donne à la fois aux clubs, aux sports scolaires, enfin à l'accès au parasport, enfin bref, qui nous fasse monter d'un cran dans la pratique du sport dans notre pays. Bien, sur la flamme, pour répondre à Monsieur Walter et Madame Follest. Alors, 180 000, effectivement, c'était le ticket d'entrée pour le département pour accueillir donc le parcours de la flamme. Voilà, maintenant, il appartient à chaque département de faire vivre l'événement, sur lequel d'ailleurs les départements, j'espère, comptent aussi pour mettre en avant leur territoire et créer des retombées économiques aussi pour l'ensemble de leur population. On peut penser quand même que le parcours de la flamme va donner à voir ce qu'il y a de plus beau dans les départements. Pour les départements, c'est sûrement l'occasion aussi de mettre en valeur des personnalités du territoire, des associations, voilà, de faire passer des messages en termes de citoyenneté, de lutte contre les discriminations, etc. Enfin, je pense que c'est un outil à partir duquel on peut mener beaucoup d'actions et faire passer beaucoup de messages et donner à voir ce qu'il y a de mieux dans chaque territoire. Voilà. Et s'il y a une couverture médiatique qu'on peut espérer quand même, parce que le parcours de la flamme, il va être quand même suivi, il peut y avoir quand même des retombées assez importantes pour les territoires. Je compare un peu avec quand une ville accueille le Tour de France, que ce soit l'arrivée, le départ ou qu'on soit ville étape, il y a un ticket d'entrée d'ailleurs qui peu ou prou ressemble un petit peu à celui-ci, et qui en termes de retombées économiques sur les années qui suivent, en termes d'activité touristique notamment, permet d'avoir un retour sur investissement assez important. Sur la sécurisation, qui est un vrai sujet, c'est à la charge, bien évidemment, des collectivités qui accueillent le parcours de la flamme. Il y a un contrat qui est signé, une contractualisation qui est effective entre le département et les organisateurs. Voilà. Ce qui incombe aujourd'hui au COJOP, je crois que c'est juste d'organiser un petit peu la parade, quoi, la parade de la flamme. C'est-à-dire le lien entre les différents territoires. Moi, je crois que ça peut être... Encore une fois, vous l'avez dit, peut-être dans votre département, c'est le seul moment où, de manière tangible, on va avoir les yeux qui brillent sur le terrain et qu'il pourrait y avoir une espèce de communion. Même si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut s'approprier les dispositifs, terres de jeu, qui permet de mobiliser les populations et de créer du lien. Mais je crois que ça peut marquer une génération. On peut imaginer quand même que les enfants qui vont se retrouver sur le bord de la route, qui vont voir passer la flamme, avec, j'imagine, un travail qui va être fait en amont par les enseignants, par les clubs de sport, et puis le débrief en aval, ça peut faire quand même briller les yeux des enfants et marquer une génération, parce que c'est tous les 100 ans. Monsieur Sor et d'autres, vous nous avez interrogé sur... Enfin, vous nous avez interpellé sur le fait que avaient été mis en place donc les 30 minutes d'APQ au quotidien dans les écoles primaires, l'expérimentation des heures supplémentaires de PS dans les collèges. Il est difficile aujourd'hui d'évaluer ces dispositifs. C'est trop tôt. On ne peut pas savoir si effectivement c'est... Mais quand même, ce qu'on a noté, nous, si on prend rien que l'exemple des 30 minutes d'APQ, c'est que ça va dépendre d'un établissement à l'autre. Ça va dépendre beaucoup... de l'appétence, des compétences de la professeure des écoles ou du professeur des écoles. Il y a des écoles qui ont reçu les kits, il y a des écoles qui n'ont pas reçu les kits. Même s'il est mis à la disposition du corps enseignant, notamment par le COJOP ou du ministère, des fiches pédagogiques qui sont très bien faites. Enfin voilà, on sent que il n'y a pas d'uniformité dans le déploiement de ces dispositifs. C'est très bien. On le salue et je trouve que profiter des Jeux Olympiques pour mettre en place des mesures aussi fortes de place de l'activité physique, c'est important, il fallait le faire.
mais il ne faudra pas s'arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle nous, on souhaite aller plus loin, mais avec une substitution de l'APQ par un véritable cours de PS, parce que c'est un enseignement qui dépasse largement le fait de se bouger, et qui véhicule plein d'autres choses. Donc voilà, ce sont les annonces, enfin les réseaux, les préconisations fortes que nous formulons dans notre rapport. Sur les territoires ruraux, vous êtes plusieurs là aussi à nous avoir interrogés. Et notamment le dispositif 5000 terrains de jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre le nombre de dossiers déposés et les budgets alloués au dispositif, il y a un gap trop important. Nous, ce qu'on préconise, c'est de le pérenniser dans le temps. Ça ne s'arrête pas là, au moment des Jeux. Il va falloir continuer donc, à équiper nos territoires de ces petites infrastructures qui sont très utiles, très riches. Et on préconise d'augmenter, bien sûr, le budget dédié. Ça me permet de rebondir sur l'enseignement supérieur. Nous, on dit que les universités devraient être éligibles au dispositif 5000 terrains de jeu. On voit que la pratique des étudiants, qui est faible, parce que l'habitus, encore une fois, n'a pas été travaillé à l'école, au collège, au lycée. Il y a une déperdition très importante entre le collège et le lycée. Puis alors ensuite, avec les études supérieures, c'est encore plus important, le décrochage. Mais on voit qu'aujourd'hui, les pratiques des étudiants, elle est très informelle. Et justement, le type d'équipement qui permet d'être financé par le programme 5000 terrains de jeu, je crois que correspond pas mal à ce que peuvent attendre les étudiants. Ça peut être le terrain de basket 3-3, voilà, ce type d'infrastructure, très facile à mobiliser et à mettre en œuvre sur un campus universitaire, même s'il n'est pas très important sur le plan de la superficie ou de l'espace disponible. Et ça permettrait d'avoir ces pratiques informelles qui correspondent encore une fois à l'appétence des étudiants. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Peut-être pour répondre à Carl Olive, on l'invite à faire venir la lucarne à l'Assemblée nationale pour se mesurer à cette épreuve qui crée du lien au-delà de mettre un ballon dans une lucarne. Et ça permet de dire, oui, que son rapport, c'était faire nation par le sport. Et nous, on a l'ambition, effectivement, qu'avec les Jeux et ce phénomène d'accélération que peuvent avoir les Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays, on ait cette nation plus sportive. Dans la pratique, dans l'appétence pour le sport, dans la façon dont le sport peut créer des liens et des altérités. Donc voilà, c'est tout l'objet de ce rapport. Et comme on le disait tout à l'heure, on a devant nous donc, un événement important, majeur, et il faudra se retrouver après en termes d'héritage. En tout cas, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été des politiques publiques qui ont été initiées, mises en œuvre, qu'elles méritent d'être confortées avec une volonté politique très forte de faire du sport un levier essentiel pour notre pays. Donc, merci. Merci beaucoup, messieurs les deux co-rapporteurs, pour la qualité du travail, l'engagement et les réponses que vous avez pu fournir ce matin. Moi, on a plusieurs choses à faire encore avant la fin des travaux, mais notamment à autoriser la publication du rapport, puisqu'il appartient à la commission d'autoriser la publication du rapport de la mission d'information en application du 7e alinéa de l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale. Qui est pour ? Qui est contre ? À l'unanimité, la publication est autorisée. Bravo à vous deux. Donc, je tiens aussi à rappeler différentes choses, et puis on doit procéder à des nominations, notamment l'audition de la Cour des comptes sur le rapport complémentaire sur la préparation des JOP, qui aura lieu le mardi 18 juillet à 14h devant le groupe de travail. Donc, voilà, j'en fais la publicité ce matin. Et puis, nous allons aussi procéder à la désignation de plusieurs rapporteurs. Donc, notamment, deux co-rapporteurs doivent être désignés pour chacune des deux missions d'information suivantes. Donc pour la mission d'information sur l'apprentissage de la lecture, j'ai reçu les candidatures de Mme Annie Genevard pour le groupe LR et de M. Fabrice Levigoureux pour le groupe Renaissance. Pour la mission d'information sur l'enseignement supérieur privé à but lucratif, j'ai reçu les candidatures de Mme Béatrice Descamps pour le groupe Lyotte et de Estelle Follest pour le groupe Démocrate. Donc s'il n'y a pas d'opposition, ces candidatures sont entérinées. Et pour les deux autres nominations, elles sont renvoyées à la semaine prochaine, car il y a encore des groupes qui n'ont pas répondu. Et donc, je suis en attente de... Alors, c'est la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat.
où j'ai reçu la candidature pour le groupe LFI de M. Paul Vanier. Donc, mais j'attends la candidature du co-rapporteur. Et pour la mission d'information avec le sport au travail, donc j'ai reçu la candidature de M. Carl Olive et nous avions interrogé les affaires sociales pour avoir un co-rapporteur. Mais visiblement, il pourrait nous en avoir un, mais qui serait un peu plus, enfin, qui pourrait pas forcément être disponible tout de suite. Donc, je vais revoir avec les affaires sociales, puisque c'est une mission qui doit être démarrée pour la rentrée. C'est pour ça. Et puis, nous devons désigner les rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2024. Donc, j'ai reçu les candidatures suivantes. Pour l'avis avance à l'audiovisuel public attribué au groupe Renaissance, Madame Fabienne Colboc. Pour l'avis culture attribué au groupe LR, Madame Emmanuelle Antoine. Pour l'avis enseignement scolaire attribué au groupe Renaissance, Monsieur Philippe Fay et Monsieur Christophe Marion, duo qui avait déjà officié l'an dernier. Pour l'avis enseignement supérieur et vie étudiante attribué au groupe LFI, Monsieur Hendrik Davy. Pour l'avis recherche attribué au groupe Modem, Monsieur Philippe Berta. Et pour l'avis médias, livres et industries culturelles attribué au groupe Rassemblement national, Monsieur Philippe Ballard. Et pour l'avis sport, jeunesse et vie associative attribué au groupe écologiste NUPES, Monsieur Jean-Claude Rau. Donc, s'il n'y a pas d'opposition à ces différentes nominations, donc il en est ainsi décidé. Et je vous rappelle aussi que c'est en début d'après-midi, en fait, à 13h, si je me souviens bien, nous avons les cérémonies pour les 40 ans de l'OPEX. Donc, vous êtes tous cordialement invités. Et notre... À 13h. Oui, mais si le groupe JO se réunit à 14h, vous avez un peu le temps pour y aller. Et la commission se réunira mardi prochain à 17h30 pour l'audition de M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.